Jodia, j'aime te dire au départ, tu as gagné une manifestation dans grand dans ce pays d'Haïti. Il y a plusieurs monde qui te prend la rue, en bonne quantité. Non pas qu'à bail chiffre, parce que nous pas un chiffre, mais tu as une bonne quantité de monde qui prend la rue. Hein? Dans Jérémie, tu as un caoutchouc, tu as boule et tout. Mais l'idée principale, c'était marcher pour fermer, au besoin son rara, ma barantie son. Hein? Non, je ne peux pas le faire. C'est difficile qu'on y a bon bali. Je ne peux pas garantir ça. Je vais regarder tout à l'heure. Et mon marché fermait plusieurs bureaux de l'État. C'était ça l'intention hein, pour te fermer les bureaux de l'État. Il me dit ça tout à l'heure. Je ne peux pas pour le mouvement ça. Le peuple a décidé marcher, fermer les bureaux de l'État. Moi-même, je ne peux pas contre lui. Je ne peux pas camper en face ça. Parce que l'État n'a pas existé. Qui est-ce qui a payé l'État? Bon, l'État, c'est nous. Mais l'un dit l'État, nous comprenons son façon pour nous dire c'est le monde qui a dirigé. C'est le monde qui est dans l'État, c'est le monde qui chef l'État, c'est le monde qui dirige dans l'État. Le gouvernement. Puisque l'État n'a pas existé, l'État n'a pas utile peuple à rien, si on marche et fait un bureau l'État, on ne peut pas camper en face à ça. Si on n'est pas fait littérature, parler français, faire discours, moi-même, depuis le peuple apprend la rue là. Li décide marche ferme bureau l'État m'a campé derrière parce que l'État pas existé, l'État pas utile noyé. L'État pas utile noyé, si l'État pas utile noyé et c'est nous qui payons l'État. Eh bien, nous marche ferme bureau l'État, ferme l'État. C'est marche ferme l'État. C'est ça balan oui. Marche ferme l'État. Eh bien, non pas au prince également. Il y a une quantité de monde qui prend la rue tout. Moun yo ka mandé départ Ariel Henry. Et gen en pile là-dedans, ou te ouè, visiblement, c'est partisan de Guy Philippe. Et moi, te dis, et position pas changé. Si Guy Philippe vin là, monsieur estime que gon bagay que le café. Et seul bagay li café, li pa l'autre. Ouais, vous aime passer par quatre chemins, à passer sous côté, nous pas dans hypocrisie. Seul bagay Guy Philippe café là, c'est faire Ariel bay talon depuis le capable. Et arrangez-le pour garantir sécurité dans le pays. Depuis, monsieur, pensez-le qu'a fait ça. Pas de problème. Mais si c'est discours bagay bluff, discours populiste, etc., et puis qui pas utile, parce que nous habitués à bagay ça déjà. Pile moun dans la rue, vivant tel, abayant tel, nous habitués à bagay ça, comme si ça ou pas nouveau. Ça ou pas nouveau. Donc, ça qui est nouveau pour nous aujourd'hui, Ariel qui l'a pas utile, hein? Puisque si y'en a un bouche n'a dit Ariel, faut l'aller, nous connaissons pas bralé, que nous renverser Ariel, c'est tout. Que nous renverser Ariel, c'est tout. Depuis nous qu'a fait ça, pas un problème. Pas un problème. Mais si y'en a bagaille, campagne, manifestation, vin brasser dans la rue, à bain tel, vivant tel, ça yo, n'habitue à qui yo déjà. Nous faire pile tap fè, yo, rien pas changé. Si bagay comme si vle pa vle fò la lete kon change pays, Haïti t'a changé longtemps déjà. Nous clair sur ça. Ça veut dire que là nous non contexte qui difficile que nous dit ba l'argent lié. Côté musique là. Mais un bon petit son. Son pas fin bon non et nous te mandé son n'a yo konn yo tan pou sérieux monsieur et encore pa revant moi bagasi boté encore bagasi boté encore pa revant moi bagasi boté encore. Mare vent mwen baga si pote encore. Hey! Ha 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 ha! Ils sont sérieux! Ils sont sérieux! Non, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Les petits sont ça, m'de besoin. Mais son pas fin catholique. Qui donc la société, bon, m'di l'anti bagay? C'est Jean Balan. M'pas dans hypocrisie. M'pana comme si bluff ak moun. Son pays qui en difficulté, son pays nous besoin sauver. Pays a fini nan men nou. Et son constat que nous fait.
L'État effacé, l'État effondré, l'État pas existé. Et yon bagay que nous besoin, je dis, c'est travail pour nous rétablir l'autorité de l'État. Notre souveraineté tant que peuple. Faut nous goûter pour ça. Eh bien, la société, j'en dis à nous seul, après-midi, nous prenons le fond de causer tout coûte avec professeur, docteur Gerbi Blaise. Bon, regardez si moi vous suis Blaise, oui, mais elle est sur l'écran avec nous. Avec Lynn Bralfon, ti brasse l'idée. Question de poser, hein? Vous marquez nos 10 souffleurs, non? Qui ça la loi dit? Sou yon moun qui condamné nan yon pays étranger? En pile palé sous dossier ça, Asroya invité, non, c'est professeur Dr. Gabi Blaise. Pour qui ça ne bral fait ti palé ak li? C'est parce que, étant que moun, gen bagay fon nou apprendre, fon nou konnen. Malheureusement, je dis à nous prendre en spirale. Côté la jeunesse presque pas voulait apprendre. Ou pas kounya la jeunesse c'est dans déblouza yo tombé. Gardez ce qui a passé là dans hinche. Et m'a tout dit moun la police dans hinche. Kounya moi la police décidé pour l'arrêter ti mesdames yo faute au prend la rue. Bon c'est victime yo est déjà. Son paquet ti moun qui pas éclairé. Et puis gen les parce que moi quelques nèg qui gen tatou ba ga ou bien quelques nèg qui ba gen les quelques diaspora tout profiter sans aide des ti moun qui fait pantan sur technologie et puis technologie a trahi yo bon on y a m'tendé nan arrêté ou pour faire qui ça qui infraction ou commettre et d'ailleurs bon ba grave qui rive parce que nan des gen policier ka l'arrêté ou gen tal nan téléphone yo qui a partagé encore bagay privé sur téléphone yo pas ka faire ça ou pas ka violer droit moun nan plusieurs fois. C'est victime yo y déjà. Vous comprenez ça m'dou? Ça donc si ou en temps normal, si n'ta pas arrêté, pas on t'a pas arrêté. Parce que ti moun m'a mais canal ti moun ça m'a regardé là, semble pas ti moun piti yo non. Bah yo mélangé, on quitte ça mais son pays difficile. Donc la jeunesse jodi hein, yo pa vle apprendre, yo pa vle li. Yo pa prend temps pour tande moun. Yo plus souffert hein, jouré di bêtises par l'empile, mais yo pa vle apprendre. Et bien après-midi, il était nécessaire pour nous défendre parler. Ça fait longtemps que nous partons des professeurs Blaise. Et nous, en 2024, nous avons déjà souhaité une heureuse année, santé, bon succès. Professeur Gabi Blaise, bonsoir et bienvenue. Comment vous êtes? Bonsoir Tété et merci pour VEA, pour VEO, santé surtout, pour nous besoin ça. Et moi, salue toutes les fanatiques pour vous. Mais d'abord, permettez-moi de une salutation spéciale et vous vœux de santé, longévité surtout, à tout le monde qui a des bouquets, tout interne autour de tout, tout fanatique de à tout le monde qui a des bouquets, mais particulièrement maman, Baron Poukissa, qui est une fanatique. Oh! Eh bien, on s'est tété, on va gagner l'autre, mon cher. On s'est tété, allez. Donc, moi, salut maman, Marie-Alou Blanfort, qui continue, que les grammes, qui me connaît dans 115, moi, salut tout. Quand au 15 ans, parce que c'est l'âme sortie, c'est origine moi, je ne vais pas oublier. Je ne vais pas oublier ça. Donc, je salue tout monsieur, Babi, Tete, William, c'est l'équipe moi. Maintenant, merci pour l'invitation en Tete. Mais seul petit problème moi gagné, c'est parce que vous annoncez mon site en tout coûte, parce que moi, j'ai fait un vœu. Et n'a rien pour ne pas parler du tout sur aucun sujet d'actualité. Mais les Tete invito, c'est difficile pour pas. Pour pas parler, parce que. Difficile. Très difficile, parce qu'au fin annonce, c'est hier, pour avoir invité. Et puis. Téléphone m'a crasé. Téléphone m'a crasé net. À des gens qui disent donc m'obliger et ou pas qu'à répondre de façon négative à Tété. Maintenant, moi, merci pour l'invitation encore. Et le sujet nous va permettre, moi, juste 3 minutes pour me faire une introduction. Et c'est pas sous, même pas 3 minutes, 2 minutes. Moi, pas intervenu sur. M'a évité toute réflexion politique, yo. On va éviter toute subjectivité qui est basée sur référence doctrinale, parce que référence doctrinale, il n'est pas source rédhibitoire en droit, parce que l'été est invité, moi-même, tout le temps que je me connais dit ça, je vais vous le beau, je vais demander de ne pas faire droit en cachette sur mon nom, parce que bien c'est des notions que je vais développer. Et moi-même, je vais. Ah, je lis tout. Où on a écrit un pile, je lis tout. Je lis mon nom. Merci. Maintenant, on a prêté son analyse du texte normatif, constitution, convention, loi, règlement. Qui régit société. Nous avons un choix d'été qui est très difficile. J'en fais choix à tout. Il n'est pas facile pour me parler, pour me parler
bouche bée sur ces deux faits d'actualité, sur ce qui a passé dans le pays en tant qu'haïtien. Mais il n'y a pas une bataille contre un secteur, parce que c'est très important pour nous dire ça, ni contre un grand monde. Nous critiquons tout secteur net, tout le monde, opposition, pouvoir. Depuis que Jovenel Moïse m'a entré dans le combat en 2019, nous critiquons tout le monde net, parce que si je ne fais pas le jour de l'an, c'était Jean Fellan, moi qui ai payé ça tôt ou tard demain. Parce que nous faisons un vœu pour me faire vivre à Haïti, malgré toutes les opportunités que nous gagnons au niveau mondial pour me vivre. Doit c'est une discipline qu'on a vivre dans tout pays dans le monde là. Et toute institution toujours besoin d'un conseil. Ça n'est le conseil juridique là. Donc, on n'a pas quitté aucun monde intimidé, ni n'a menacé, ni n'a dit besoin de dossier de toute façon. Par contre, pour l'autre le nom pour demain, mais je veux dire moins sain parce que bagaille, on est qu'à reprocher pour un pays. Hein. Que si bagaille, on est qu'à reprocher, on dit, d'une jeune gens, etc. Bon, pourtant, bah, une jeune gens même. Moi, à tété, c'est rêver, nous, pas jeune gens. Donc, et menace pas empêcher pour me défendre, même le va respecter toute sorte de point de vue. Ouais. C'était invitation là, c'est concernant qui est fait condamnation pénale gagnée ou condamnation pénale à l'étranger. Mm-hmm. Avant d'entrer là, professeur Gabi Blaise, parce que monsieur, que ma, en dépit de tout ça, j'ai dit, j'ai un pile jeune qui est dans la faculté de droit, qui a suivi, j'ai un pile l'autre professeur, j'ai un avocat, un pile juriste. En pile moun homme de loi qui a fait débat sur ça qui a suivi. Nous t'a remis comme si on t'écoute introduction. Là n'a parlé de droit pénal. De qui ça n'a parlé exactement? L'on parle de droit pénal. Droit pénal, c'est lui-même qui l'a pour le régie organisation sociétaire. C'est que l'organisation sociétaire, pas bien que sociétaire, les gagnants, les poser des interdits, les poser des conditions tout. Que des malades ou faire des malades peut pas faire. Donc tout comportement antisocial yo, qui est-ce qu'il a pour lui réglementer ou qui régit yo, c'est droit pénal. Parce que droit pénal là, il y a deux bagages. Il dit moins poser interdit, hein, qui s'annule les incriminations, hein, qui c'est non principe droit pénal général là. Et il pose tout s'annule les yon bagages qui les sanctions s'annule les peines là. Maintenant l'autre droit pénal ou pas qu'à ou pas qu'à gagner un pays qui dit tel comportement sont interdits, par exemple voler c'est interdit, viol c'est interdit, parce que c'est des bagages qui mis société, hein, qui peut être préjudice à moun, prend l'argent blanchi le alter cob sous fait cob dans l'état à l'investir dans ces deux comme tu as dit à l'investir de façon licite dans ces deux entreprises qu'on gagne ou fait ou créer. C'est interdit, mais lorsqu'il est interdit ça, l'État, la loi, dit lui poser son comportement ou comportement antisocial, mais lorsqu'il fait le coup, il dit mais qui peine que vous avez subi. Donc c'est ça qui doit pénal là. Doit pénal là organiser, s'annuler et lui régit s'annuler organisation sociétaire. Claire, nous d'accord avec ça. Pas un problème, professeur Blaise. Maintenant, nous voulons rentrer droit au but parce que il y a un sujet qui est actualité. Sujet à ne pas prêter son cadre comme si individuel. N'a pas un cadre général qui concerne tout le monde parce que ça arrive souvent. Mais puisque nous connaissons certaines fois, en Haïti en particulier, nous voyons politique là souvent primé sous toutes affaires droit, sous bagages juridiques. Mais en nous-mêmes, rester technique pour nous garder qui ça va aller. En imaginez que, professeur Blaise, j'en pose des questions. Hein, on action qui pose en Haïti, yo reproche yon moun bagay, et yo arrête moun nan en Haïti, et yo voye l'États-Unis à le juger, malheureusement, m'di malheureusement, parce que l'été doué juger en Haïti la kaili, mais yon tribunal américain décide pour condamner moun nan, pour ça yon reproche l que moun nan fait aveu, c'est-à-dire les coupables. Dis-moi, est-ce que condamnation ça, li gen effet, sous ni côté au juge là ni dans pays moun nan côté ou t'es arrêté là qui c'est Haïti. C'est un bel sujet et qui t'a demandé que pour un dialogue scientifique là dedans, mais malheureusement que nous avons pas passé inaperçu. C'est même genre avec question de sanctions des Nations Unies, nous avons que il passé inaperçu dans la société, pas de débat sur lui, pas de débat scientifique sur lui. Moi songe que nous avons un recteur dans une université qui très prestigieuse en Haïti qui pour maintenant qu'il a travaillé sur question de débat ça. Et c'est le bagage qui est important parce que le bagage est engagé société hein, et engagé citoyen. En condamnation pénale à l'étranger, PP, TT n'est pas limité
au seul territoire, c'est-à-dire sur tel côté monde condamné. Ça mêle l'internationalisation des décisions pénales. Ou bien ça mêle libre circulation des décisions pénales. Et libre circulation des décisions pénales, nous avons un paquet de monde qui est pris sous livre, des doctrines, et n'a pas rappelé, par exemple, une dernière thèse qui est remarquable, thèse qui sorti sous livre en janvier 2021, par une camarade qui fait un gros travail sur ça, sur libre circulation des décisions pénales, c'est Vitarion Giannoulis qui fait un travail sur l'île dans le centre de droit pénal et de criminologie, l'université Nanterre, côté MTI, nous soutenons tes dans la même année. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on connaît la nation, il y a un monde dans un pays étranger, qui bien et fait son sous d'identité dans l'autre pays. Pour qui ça? Pour qui ça, un homme international établi et fait ça? C'est-à-dire que l'extension des décisions pénales au niveau international qui sont prononcées par à l'étranger. D'abord, c'est pour protéger les citoyens. Et c'est important. Les gens font extension de décisions qui sont par exemple, les gens qui ont dit que quitter et extradé ou bien qu'ils ont remis, ils ont fait à pays États-Unis, soit en Haïti par les États-Unis, et puis États-Unis condamné Mounsa, eh bien, pour qu'il y ait extension, pour qu'il y ait décision, ça, ils ont fait en Haïti ou bien dans l'autre pays. D'abord, c'est pour protéger les citoyens, pour ne pas punir deux fois. Ou bien pour ne pas punir, pour ne pas avoir des sanctions plusieurs fois, pour même bagaille qui ont été commettre en Haïti, hein. Ou bien qui ont été commettre en Haïti wow. Et aux États-Unis. Hein. Et ça, c'est un principe qui reconnaît sous plan international. Ce n'est pas un bagaille de crime, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Oudil, ce n'est pas Arctique qui n'a pas écrit, ce n'est pas essayer, n'a pas essayé de vendre comme si vendre en l'école, en idée, mais c'est un bagaille qui est établi par des textes normatifs au niveau international. Ou pas gain droit pour suivre mon ni condamner plusieurs fois pour même bagaille qu'il commette là. Et ça a été consacré dans l'article 14.7 pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est pas combien depuis longtemps. Il est consacré tout dans l'article 8.4 dans la convention relative convention américaine relative aux droits de l'homme dans le pays. C'est sans ça c'est ça deux textes ça yo traduit ça mêler le sens de la centralisation des poursuites pénales. Pour qui ça? Pour nous contribuer à bonne administration de la justice en matière de droit international. Ça veut dire que pour nous harmoniser justice pénale là, États-Unis, Haïti, la France, Canada, donc nous centraliser poursuite pénale. Mécanisme ça, qui c'est un principe qui fondamental qui est reconnu par le droit international. Deuxième raison que nous consacrer question de effet sur Palia, on parle effet pour question de citoyen. Nous parlons de l'autre effet tout sur question, deuxièmement, c'est pour sécurité territoire. Et dans la même question, avant même mal sur question de territoire, dans effet sur, ou même que, ou pour ces questions sur effet, décision, ça qui prononce à l'étranger, c'est le contexte ça, c'était. Par exemple, on prend des mondes qui condamnaient, des mondes que l'ONU, Nations Unies, dit, moi, j'ai une obligation de réserve parce que moi, je fais partie des Nations Unies actuellement. Donc, l'organe est des mondes que les Nations Unies prononcent des sanctions contre eux-mêmes, par exemple. Eh bien, il dit ou non, question de criminalité organisée en Haïti, ou non, acte de terrorisme, peu importe. Mais si vous avez jugé en Haïti, tout le monde est aux Nations Unies condamné, en fait, pas condamné, mais qui prend des sanctions contre eux dans le régime des sanctions, hein? Si vous jugez en Haïti, États-Unis, même les Yota arrêté ou voué aux États-Unis, écoutez, des biotechs étant jugés ou déclarés innocents en Haïti, en aucun cas, monsieur, à 300%, États-Unis, pas qu'à juger encore. Son principe. Il y a bien ici. Il y a devant le tribunal avec eux, il y a bon avocat qui dit, écoutez, client, maintenant, il était jugé en Haïti déjà, il est innocent ou bien condamné. Maintenant, nous pas qu'à bien juger aux États-Unis encore. Deuxième raison, c'est pour question de sécurité territoire de l'autre pays, par exemple, en matière de terrorisme. C'était dans ce sens-là, après, il y a un pile monde qui fichait sous plan international. C'est qu'il y a un fichier dans Interpol, etc., qui est tel monde qui a cherché, ou bien qui est tel monde qui est condamné, qui est déclaré comme monde qui est dangereux. C'est dans ce sens-là, tout, après, que l'on demande visa. Après, il demande, est-ce que tu as participé dans un acte terroriste déjà? Est-ce que tu es condamné pour un acte terroriste déjà? Donc, c'est deux raisons, ça, qui fait que, effet décision internationale, qui prononce à l'étranger, il y a effet sous l'autre pays, ça n'est pas l'internationalisation des décisions pénales ou bien ça veut dire l'extension des décisions pénales. Mais c'est plus sous premier aspect, c'est-à-dire que sous question de sécurité citoyenne, qui est
qui fait actualité en Haïti actuellement, je veux dire, il fait condamnation à un monde à l'étranger qui a exercé de trois façons. Et c'est ça qui intéresse nous. Il fait condamnation à un monde à l'étranger qui a exercé de trois façons. Et c'est important. Il a exercé première façon dans le cadre d'un délai en application de l'application de la loi pénale dans l'espace. Ça, ça veut dire l'application de la loi pénale dans l'espace. Donc, on n'a pas besoin d'un accord en deux pays pour ça. On n'a pas besoin d'un accord en deux pays, par exemple, entre États-Unis et la et Haïti pour ça. Mais il faut payer en côté criminel, en fait, en côté infraction, en fait, dans le sens de infraction, en fait, en Haïti. Il faut que les États-Unis, lui-même, les gagnent, ça n'est pas réciprocité, c'est-à-dire infraction sans les reconnaître tout, par exemple, si on a commis infraction de blanchiment en Haïti. Il faut qu'infraction de blanchiment, ça les reconnaître dans la législation américaine. Dans tout ça, c'est réciprocité. Et faut infraction mon commettement li j'en te dire li existait dans tous les deux pays, c'est que il fait de réciprocité. C'est dans ce sens ça, si mon condamné dans pays étranger, donc condamnation ça li automatique tout dans pays citoyen côté li te fait infraction. Ça c'est première façon que nous ka dit et fait ça ça que effet mon décision internationale ka gon implication ka gagne automatiquement li reconnaître dans l'autre pays. Deuxième façon li ka manifester c'est ça nous aide sur libre circulation des décisions pénales là et c'est ça qui fait actualité en Haïti actuellement. Deuxième façon c'est effet ça c'est sous ça nous aide sur libre circulation des décisions pénales. Dans ce sens ça première façon pas obligé nous pas obligé gagner accord pas obligé gagner accord international pas obligé gagner accord multilatéral ou bilatéral c'est question de l'application de la loi pénale dans l'espace. Il y a un monde qui commet une infraction en Haïti par exemple, Livini et aux États-Unis, eh bien Haïti, vous avez oublié précision bagaille, Haïti a demandé aux États-Unis pour poursuivre mon directement. Il a demandé pour poursuivre mon état, c'est parquet Haïti, c'est le comité du gouvernement qui a voué un acte d'accusation by législation aux États-Unis, by autorité de poursuite aux États-Unis qui peut écouter mon mandat pour poursuivre tel monde pour moi. Le ça, il va regarder est-ce qu'il y a une réciprocité sous infraction. Deuxième façon, c'est sous libre circulation des décisions pénales. Le ça, il faut qu'on accord, effectivement, il faut qu'on accord bilatéral ou bien un accord multilatéral qui existait. Non, depuis yon moun condamné dans un pays qui signe à cause ça. Qui ça ça veut dire? Décision ça, li reconnaît dans tout pays yo. Si yon accord entre Haïti, bilatéral entre Haïti et États-Unis, sous telle infraction bien déterminée, blanchiment, corruption, si yon pa li juge en Haïti, automatiquement, j'en peux dire tout à l'heure, li reconnaît, décision ça, li reconnaît dans la législation, dans la justice américaine. Non. C'est même genre si mon les juges États-Unis là en Haïti grand accord bilatéral sous ça et bien écoutez infraction ça les reconnaît dans en Haïti et niveau tout pour s'annuler accord multilatéral et c'est dans sens ça été grande série d'infractions qui entrent dans les circulations des décisions pénales. Donc nous prend par exemple cas de blanchiment, cas de corruption qui consacré par une convention que nous les convention du Palerme des Nations Unies qui était et adopté, conclu le 15 novembre 2000, sauf erreur de ma part, par un paquet de pays. Par un paquet de pays pour deux raisons. Pour deux raisons, pour qui ça a été conclu, convention ça. Accord ça, souvelé, accord, convention, charte, protocole. Donc, yo, en droit international, on sort de barailler liberté formaliste et que au cabal n'importe quoi, au cabal le charte, au cabal l'accord, au cabal le protocole. Pour deux raisons, il a été conclu à cause ça. Je t'ai conclu à cause ça, au saut d'une taille à tête, on dit c'est bien dommage. On t'a bien noté, on dit c'est bien dommage pour dire qu'on monde qui font une faction en Haïti pour réjuger les États-Unis. On dit c'est bien dommage. Mais c'est dommage pour qui ça? Pour deux raisons, je t'ai conclu à cause ça. Pour pays côté justice là faible. Parce que, pas dire que Haïti, justice là, nous avons justice, c'est bien dommage, nous avons justice qui est très faible. Et bien parce que pour côté justice là faible, pour éviter impunité, conseil du monde qui se boue pour tenter, il n'y a pas plus qu'à juger. Et pour éviter, et surtout pour ça, pour citoyens ou pas jugés, j'aime te dire, pour pas juger deux fois pour même bagarre là. Et Haïti fait partie de Convention Santé à partir de 2011. Mais pour retourner sur ça encore, à partir de 2011, pour qui ça, Haïti signé un accord SARA. Moi, quoi, sauf que je m'en parle ici, le 13 décembre 2000, mais il vient partie dans un accord SARA à partir de 2011, le 19 avril 2011. Non, question par le président, je pensais que ma privée sur lui. Troisième façon en tête, point d'introduction pour me finir, côté que effet ça sur ce dernier cas, il a manifesté. Troisième façon, c'est ça nous aider,
yon troisième façon son effet condamnation étranger hein, ka gagné sous yon l'autre pays. Ça yo relé par compétence universelle là. Compétence universelle qui ça va dire tété. Gagné des infractions que yon pays dit écoutez dit important pour lui. Par exemple les États-Unis, pas oublier té gagné un gros tragédie qui t'est passé et en 2001, est-ce que c'est et 11 septembre 2001 t'es gagné événement s'est passé dans attaque terroriste World Trade Center. Ouais, World Trade Center. Mm-hmm. Maintenant, gagne de pays qui dit écoutez, tout crime contre l'humanité, libal c'est une compétence universelle pour juger ça. Par exemple, la France, comme quand l'législation française l'a fait bien, la France dit écoutez, tout monde qui commet un crime contre tout monde qui commet un crime contre l'humanité dans un pays, par exemple Haïti, ou mettre commettre crime contre l'humanité en Haïti, ou bien dans un pays afro-africain, hein? Debout sur le territoire français, qui ça passe sur le territoire français, hein? La France dit comme ça que, ou sont monde qui commet un crime contre l'humanité en Haïti ou bien en Afrique, debout sur le territoire français, l'a jugé automatiquement. Mm-hmm. Donc, la France bat tête, ça met en compétence universelle là pour essayer de l'infraction qui c'est crime contre l'humanité. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'il y a trois façons. On t'a dit ça avant hier, l'homme d'a fait réaction sous déclaration professeur Bernard Agousse. L'homme est avancé. Donc ça veut dire que l'idée que infraction pénale à niveau sous territoire national côté crime dans cette sens, c'est pas ça lié. En fait, en tout cas, c'est pas ça lié. C'est pas ça lié tout juriste mm-hmm. qui, avec tout respect que je viens pour eux, qui t'a avancé thèse pour dire que si nous commettons une infraction en Haïti, c'est là que quelqu'un fait, ou bien si le condamné aux États-Unis, c'est là seulement qu'il fait, nous n'en les trompons, le juriste n'en les trompons. Parce qu'il y a plusieurs façons, j'aime se élaborer trois façons, côté qu'on condamnation qu'a fait mon pays étranger, et puis il y a effet sur l'autre territoire, malgré qu'il n'est pas condamné sur le territoire. Ça. Donc voilà en gros, et on mise en contexte, en introduction, de effet en décision pénale qui prononcée à l'étranger qui a gagné son autre pays malgré le pas prononcé dans le pays. Ça veut dire pour me comprendre plus clair, professeur Gabriel Blaise, ça fait me comprendre que dans l'application droit pénal, la compétence, li, donc li territorial, mais Eiffel, pas territorial, li ka étend presque dans le sens universel. Bien sûr, c'est ça. Il est que mais il n'y a pas de sens pour ceci, sinon que article 14.7 et parc international relatif aux droits civils et politiques que nous disons n'y a pas de sens. Article 8.4 sous convention américaine de la demande n'y a pas de sens, parce que sinon c'était, il y a eu un jour d'hier, mais qu'est-ce que c'était? Là où est on a fait émission ça, c'est pas contre le monde, contre l'intérêt citoyen et tout. Clair. Parce que yon monde qui yon prononce une chose d'état, là, yon prononce son décision pénale contre lui. Aux États-Unis, yon dit lui innocent. Eh bien, même le en Haïti, pour même faire, ou mettre fait son autre capable, ou pas juger encore, non? Donc, l'intérêt citoyen et tout, il pas seulement contre l'intérêt citoyen. Si mon Haïti, je dis, à moi, commettre une infraction, yon estime même commettre une infraction, et puis yon juge en Haïti, quelque chose, si j'ai en salaire, moi, sûr à 400%, sous même fait ça. Que on dit que m'pa konnen bon ça c'est même dans mes rêves que m'pa konnen ça a existé moi ta fin détourner l'argent l'état et puis moi prendre l'argent ça moi investir aux États-Unis moi donc caille m'gain 2-3 caille m'gain hôtel aux États-Unis en Haïti déclenché en poursuite contre moi-même et nous parler ça là c'était une analyse yo le déclenché en poursuite contre moi-même pour juger moi mais t'ai jeté appel c'est que m'appeler des décisions et tribunal là mais la cour de cassation yo dit yo consacré yo consacré en innocence, yo dit que innocent pas faire rien. Eh bien, États-Unis pour nous dit que moi gain 4 chaînes hôtel ou bien pas on est caïman gain. Ni mené investigation, il dit comme ça au moment sorti, il dit c'est comme on était détourné en Haïti. C'était moi bon garantie à 400%. C'est pas nous même question que yo dit oui et blanc. C'est pas vrai du tout, c'est pas qu'ils sont blanc fait droit. Peu importe ça blanc besoin faire les tout chercher pour arbitrer quand même. Ambassade a bien tout là dit son bagage, il a bien pas ton point de droit pour qu'elle fasse passer pour lui. Correct. Donc, il n'y a pas fait comme ça pour vous, comme si vous pensez qu'il va le faire et avec autorité. Donc, d'ailleurs, en diplomatie, les gens nous pensent que c'est, oui, c'est la loi du plus fort, mais les gens nous pensent que c'est question de depuis blanc paraît, il dit, vous faites le bagaille pour lui. Et nous étions dans un débat sur Jovenel Moïse, côté où tu dis, Jovenel Moïse, c'est quoi, il y a le signe Venezuela parce que tu n'as pas le pression. Non, d'ailleurs, que ça n'est pas les pressions menaces
et qui gagne en droit international ça pas exister. Il négocie avant, il faut chercher un petit point quand même pour casser barre à la partie, pour faire barre à la partie. Ou il doit pas gagner capacité de négociation et puis il utilise faiblesse pour y passer, mais c'est pas comme si un gros point est qui prend comme ça. Bien sûr. Maintenant, c'est nous même qui connaissons comment que pour nous négocier, pour nous parler avec l'international, là c'est même genre tout. On décide qui sorti en Haïti, Jean-Jean Julien. Il sorti li atteint li acquérir autorité de la chose jugée. Mm-hmm. Eh bien, États-Unis, avocat pral parler, ça avocat dit, écoutez, client nan li jugé en Haïti déjà, donc nous pas poursuivre li États-Unis malheureusement. C'est la sécurité juridique. On va bon exemple avocat. On va son personnalité parce que c'est moi qui traité aussi ça. Nous songeons que moi j'étais en France en 2020. En 2020 que j'étais en France et puis moi j'étais gagné dans dossier sous général. T'es gagné et parquet qui t'est décerné, non, juge d'instruction, Chanlat, qui t'est décerné des mandats d'arrêt à l'encontre de plusieurs actionnaires de Sogener. Parmi tout avocat, yo, chaque actionnaire Sogener a un avocat. Moi-même, moi, j'ai représenté Dimitri Bob. Écoutez, tout avocat de réunion, tout le monde a un point de vue, yo, mon point de vue, par exemple, c'était contesté et mandat. Ce que l'autre avocat était opposé à faire, il était une autre stratégie par eux. Je dis moi-même stratégie pas maintenant, pour moi-même sécurité client maintenant, contester mandat, peu importe. Parce que l'on dossier politique, c'est pas politique pour faire ses droits pour faire appel. Donc, client maintenant, c'est quand même confiance, il dit ok, il est d'accord. Comme tout le monde vient avocat par eux, il dit ok, Gabi, agis pour moi. Moi, quitter la France en période Covid, non. Je m'entraîne en Haïti, je participe à un domaine, je m'entraîne en Haïti le 14 ou quoi. Non, moi, 14 ou 16 août. Je conteste mandat le 16 août, je commence le 14. Eh bien, écoutez. Il a arrêté Dimitri. Mais il a arrêté Dimitri. Premier bagaille, arrestation estime que arrestation, en fait, pas arrestation qui est illégale, il estime que mandat illégal, me conteste. Premier bagaille, avocat américain, relimité. Moi, je me demande, est-ce que tu es contesté et mandat ça? Il dit oui. Il dit oui, pour ça, m'bini. Deux jours, m'bini, me conteste mandat. Eh bien, c'est la contestation de ce mandat qui fait que avocat lui, même lui défend Dimitri Avel. Lui, moi, wow. Moi, expliquer, mandat sa part à exécuter parce que l'on est fait suspensif, il est contesté devant la cour d'appel. Il défend Dimitri Avel. Donc, blanc respecte les droits. Donc, ce n'est pas que nous mettons en tête, oui, c'est blanc, la peine n'est pas de barrage. Non. Maintenant, je dis, en décision qui sorti dans le pays, qui sorti en Haïti, l'Ivine aux États-Unis, moi, bon, garantie à 300% côté que. Juridiction états-unienne, américaine, a respecté ça parce qu'il a dit décision à autorité de choses jugées. Maintenant, dans le cadre de ça, on a parlé des traités de l'accord international. Permettez-moi de vous préciser deux bagages qui sont importants. La question de partie à un traité. Qui l'a, ou même, je conseille, en l'État, en pays, il s'est membre, il s'est parti à un traité. Fabien, je vous dis tout à l'heure, la question de partie à un traité, accord, les grandes libertés formalistes, ou carré l'accord. Bon, en Haïti, moi, il y a par commodité, pour nous capter à les jouer l'accord international traité. Mais normalement, on carré le traité, on carré l'accord, on carré le charte, on carré le protocole, on carré n'importe bagaille. Parce que bon, liberté, formalité, dénomination, n'importe quoi. Maintenant, droit international des traités, et c'est très important, droit international des traités et normes nationales, yo, tous les deux, c'est deux bagailles différents. C'est que yo jouit de sa propre autonomie, yo. On va l'expliquer, MTT. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, droit des traités, c'est ça que le traité, lorsqu'il signe un traité international, avec constitution, pays là, c'est des bases différentes. Constitution n'a pas une valeur supérieure par rapport à traité. Ouais, non, les stations internes nous disent comme ça que la hiérarchie normative, c'est constitution d'abord, et puis traité international, et puis loi, et puis règlement. Non. En droit international, pas rien ça. En droit international, chaque bagaille, ça, est autonome. Traité ou signé, que l'État ou la choisi pour faire partie de l'IA, lui, son bagaille autonome, lui, il faut que tout donne pas en droit international. Constitution, il n'y a pas de ça veut dire que ça veut dire que si on finit en traité TT, ou finit si on ratifie, dès qu'on finit ratifié, ou pas évoquer constitution là pour dire que oui, pas qu'à oui, traité ça, il n'y a pas qu'à exécuter, par exemple, on dit au monde qu'il y a extradé. Pas qu'à d'accord m'extrader tel monde parce que lui contraire à la constitution. Non, mais non, non, ou pas évoquer constitution là pour éviter, pour exécuter un traité international, ça va exister. Deuxième bagarre dans TT, signature un traité qui s'allie, pas en l'État. L'OFINSI, et c'est très important, l'OFINSI en traité n'est pas conféré à l'État que le parti pour ça. C'est que Haïti signe en traité, on dit que le signe, nous avons dit tout à l'heure, convention du Parlement, Haïti signe le 13 décembre 2000. L'OFINSI en traité, Haïti, pourquoi parti à quoi pour ça? Bon, l'autre deuxième étape là, c'est ratification.
Ratification, c'est lui qui exprime consentement pays. Donc, c'est peut-être ça qu'on appelle Haïti, instrument de ratification par là, parce que instrument de consentement, ça, lui qui a réalisé par plusieurs façons. Lui qui a son ratification, lui qui a son approbation, lui qui a son adhésion. Mais c'est l'offre déposé instrument de ratification, ça, dans l'ONU, dans les Nations Unies, c'est le ça, il est considéré comme un monde qui partit à traiter. Et l'offre une partie à traiter, il y a un traité à l'imposable à bord. C'est peut-être ça qu'on appelle que Haïti, la convention parle de corruption sous crime transnational criminalité transnational là on pourrait Haïti vienne partie là-dedans le 19 avril 2011 parce que c'est le temps Haïti exprimer consentement les déposer ratification. Pourquoi ça me dit ça Haïti? C'est très important ça me va le dire. Et son erreur qu'a fait longtemps en Haïti. Moi même te compte erreur tout était pour me honnête avec pour mon publicité me compte erreur. Par contre on suivre. Nous là 5 sur 5. Allô? Nous suivons 5 voilà. Sur 5. Je te compte erreur à tout. Mais par rapport avec chance moi gagne moi vinn faire expérience moi gagne dans fonction dans quatre travail moi aujourd'hui dans nation moi vous comprendre la réalité en droit international. Et ouais que nous faire en Haïti nous dit oui article 139 plan qui t'a dit il dit écoutez c'est accord là il négocié accord et traité il négocié par le président de la République il faut le ratifier par le parlement la ratification législative sont l'autre bagarre était. La ratification en droit interne li totalement différent avec ratification de droit international des traités. Et ça, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est Convention de Vienne. Convention double, Convention de Vienne, Convention de Vienne 1969, Convention de Vienne 1946, et article 102, chaque Nations Unies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, traité 1, l'offre signé, nous sommes par exemple, Haïti signé en traité le 13 décembre 2000. Il faut qu'on partie dans le traité. Qu'on y est. Pas oublier qu'il y a 3 mondes qui ont signé en traité. C'est président, ou bien chef gouvernement, ou bien ministre des étrangers. Ça n'est les ex-officiaux. Texte-là, il a été l'ensemble du président. C'était à négocier. Reprends ça parce que le très important. Trois mouns ou dit que qui est capable de signer un traité. Président, chef du gouvernement, ça n'est le pays par le président, chef du gouvernement, c'est le premier ministre, et puis ministre des étrangers. Mais le plus souvent qu'on y est, le ministre des étrangers n'a pas déplacé, par exemple, par une cérémonie internationale, Liban on va arrêter les pleins pouvoirs avec ambassadeur qui représente les Nations Unies. Ambassadeur qui l'a, ou bien ambassadeur côté lié, dans le pays côté lié, ça le fait, Liban en plein pouvoir. Laisse son document écrit, Liban en mandat, il dit, moi autorisé ambassadeur, non, représentant, non, autorisé pour signer dans place, moi, je vais le pouvoir pour signer. Mais c'est trois mondes qui ont qualité pour signer en fait au niveau international. Le chef de l'État, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, l'Eltin signe texte en PP et TT, pardon, l'Eltin signe texte là, si Haïti signe, Haïti pour qu'on partie à TTA, ni pour qu'on fait partie de Mambio. C'est peut-être ça, il faut signer, et c'est peut-être ça qui fait que, il y a du constat que, l'Eltin signe TTA, l'indépendant de constitution pour parler là, constitution en TMT, c'est là, fait d'ado, constitution en pas prévoir ça, ou pas capable d'exécuter, pour qui ça? L'Eltin signe TTA, il y a du à la Kawavel. Le président, premier ministre, à la Kawavel. Lorsqu'il arrive à la Kawou, elle porte le Parlement pour le Parlement ratifier le pouvoir sous. Parce que depuis le Parlement prévoit, dans la Constitution, il faut le ratifier et mieux on fait ratifier la Kawou. Lorsqu'il ratifie la Kawou, la ratification en droit interne, c'est une sorte de mandat. Son mandat Parlement par le président, il dit président, écoutez-moi bon mandat, ou finissez si on traité, ou portez le bon mandat Parlement, moi gardez-moi que il conforme à la Constitution, non, à la Constitution non. Eh bien, moi, bon, mandat, moi, ratifié, moi, je vous mets à le ratifier sur le plan international. C'est ça, il y a la ratification législative. Ratification législative, là, c'est mandat parlement, par président, dit, ou c'est une ciel, ou pour qu'on passe avec nous, ou pour qu'on fait partie, ou pour qu'on fait partie de membres, à quoi? Parlement, c'est une ratifié pour vous. Les parlements, c'est une ratifié pour vous, et vous, on va le sous-plan international, ou bien, on va les Nations Unies, ou bien, côté traité AIA, qui c'est des gens qui dépositent là, parce que Nations Unies qui a déposité là, qu'on s'attend qu'à choisir, on l'a organisation internationale qui déposite là. Je ne fais pas de côté, on a dit c'est lui qui déposite là, ça veut dire que c'est l'allié pour nous, on a le signé. Eh bien, qu'on est, président tourne, qu'on est pour dire, écoutez, nous sommes pour un mandat dans mes parlements, dans le parlement, on dit, moi, ratifier le traité. Et c'est le président lui-même. Li bayon plein pouvoir ambassadeur là, ou bien le déplacer, si vous rencontrez, il fait, li déplacer les signes personnellement, ou bien pour le ministre signes, ou bien le ministre étranger signes, ou bien vous voyez un mandat, bayon ambassadeur là, vous dites signes pour vous parce que le Parlement ratifie. Maintenant, conséquence, c'est dit. Si le président choisit ratifier pour nous, li font un instrument de ratification, parce que instrument de consentement, li ka ratification, li voit un lettre,
li di konsa li di écoutez moi d'accord pour me signer traité ça et ben li d'accord pour me ratifier traité ça l'elle fin ratifier le premier et bien li vinn parti avec depuis vinn parti avec accord ça connien li pas gagné le cas encore avec constitution ça ou même ou dit qui pas comme avec traité ça c'est bagaille pour professeur Blaise ouais parti ça on explique là li extrêmement important et faut qu'on monte des niveaux pour le comprendre ça va parler là. M'pense que jodi a nous prenons nos situation nos engrenage bah yo compliqué de vendre non mais non parce que nous gagnons une société qui presque pas gain référence presque pas gain modèle son jeunesse bordeguette yo pas sou ni li ni apprendre rien. Yo sou TikTok fait toute qualité causé mais yo pas prend temps pour autant de monde qui a parlé. Ça va dire là pour c'est pour me réfléchir, pour me dire société. Attention à mon n'a voyer dans parlement. Effectivement. Parce que you n'a bagaille d'après ça me comprendre professeur Blaise a expliqué là. Traité à la parler automatiquement nous fin ratifier. Li pral fait partie de sous droit nou yo. Automatiquement on paye ici on traité, li ratifié, li vinn fait partie de droit nou yo, de droit pa nou. Ça veut dire que si le parlement haïtien pa gen moun ki gen niveau pour garder ça qui nan traité a si li compatible avec sa constitution a dit. Est-ce que nous wana ki ça n'ka pran? Parce que dans pile moun k'ap parler dans média, k'ap don paquet cause tête en bas, qu'on pa comprendre ni sens yo. La oui, constitution dit OK mais attention. Et ça qui pas dit ou et les non dit. Professeur Blaise, me pensais que parti ça li extrêmement intéressant parce que droit sont belle bagarre lié. Droit c'est débat et me pensais justement fok gen moun ki konnen ki prend ti temps pour faire débat sous question yo. On retourne sous ti parti ça. Nous saluons maître Ketia du Verso. Li reme ba, pensier le professeur Blaise, li reme parti ça. Professeur Blaise, en nous font y retourner sur question traité a. OK. Maintenant, c'est j'aime chose dire, il y a un traité ou bien un accord, un protocole binational ou multilatéral, li gagne deux étapes là-dedans. Trois étapes même. Première étape là, c'est négocier. Négocier le chose dit à l'heure. Président, c'est lui-même, dans le cas d'Haïti, législation haïtienne, non, article 139 de la Constitution, c'est lui-même le président prérogative pour être capable de négocier traité et accord international. Maintenant, le président l'a négocié, c'est qu'il peut discuter sous lui. Il peut émettre des réserves. Il dit qu'il propose un amendement. Il y a le texte là. On parle de son texte d'extradition. Président haïtien, président français, président américain, peu importe, chef gouvernement et Barbadis, il a dit, écoutez, il y a un E qui mal placé là. Et c'est ce que je dis là. Il E qui mal placé là. Il y a un ou a pas bon là. Pour moi-même, ça me propose de amender. Est-ce que, professeur Blaise, ou tellement parlé l'huile, permettez-moi de lire l'article là pour pays. Article, parce que depuis dans section B, des attributions du président de la République, qui, depuis l'article 136, que nous habitués à répéter, mais l'article 139 là, il dit que le président négocie et signe tout traité, convention et accord internationaux et les soumet à la ratification de l'Assemblée nationale. Ou mettre avancé. Donc, effectivement, maintenant, le président a une prérogative pour négocier ce texte. Négocier veut dire que c'est discuter ça qui bon pour le pays ou là, ça en conformité avec la Constitution. Là. Encore une fois, professeur, tu as senti où est son débat n'a fait là? Où est pas interview? D'où la nécessité pour nous suspendre, voter, moun incompétent, mettre dans le pouvoir. Parce que le président, il faut qu'il ait capacité de négociation. Il faut qu'il ait négocié pour le pays. Alors, par rapport à qui n'a pas ni lecti ni écrit, et pour mettre comme chef de l'État. Ou mettre devant ses professeurs. Le président qui négocie texte, qui ça le fait citer? Il dit bon, ministre. Le plus souvent, la négociation de l'accord ou bien d'un texte international, il est toujours fait effectivement. Le président, c'est le chef, mais il ne fait pas. En réalité, il fait par ministre à l'étranger là. Maintenant, il négocie, il
yo di mais ça ou d'accord la donne mais pas d'accord la donne et puis texte passé au vote le texte passé au vote tout le monde d'accord texte fini négocier texte fini ça on texte finalisé dans tout pays yo on dit qu'il y a 40 pays 40 pays ça yo tombé d'accord sur texte là kounia pays yo pas signé Haïti choisi pour signer moi je dis tout à l'heure il y a 3 monde qui gagne prérogatif pour signer un texte international ça nous les ex officiaux en droit international des traités. C'est le président de la République, le chef du gouvernement, ou bien le ministre des Affaires étrangères. Si yo youn là dedans yo tout a empêché, yo ba en plein pouvoir avec ça nous les ambassadeur représentant par yo qui dans pays là. Maintenant pour yo fin signer texte là. Là yo fin signer texte en kounyan, yo poko fait partie de l'accord. Non, yo poko membre. Lo fin signer texte en kounyan, le droit international bon possibilité de ou fin signer pour qu'a pas venir faire chien à demain si Dieu veut pour pas venir dire que ou t'es signé li pendant la croix constitution là à la croix texte là à le présenter devant parlement là et c'est là que c'est jour se dire il est important pour gagner des parlementaires qui ta représenter nous yo tout prend texte là ou soutien on dit ou soutien en Italie on dit ou soutien New York en Nations Unies à la belle la croix nous bon temps pour réfléchir pour le soumettre à parlement là. Et c'est par le moment là qu'on est pas sanctionné, qui va dire oui, nous, que les conformes ou bien intérêt à la nation, nous, président, bon mandat, pour ratifier le gouvernement. Donc, ça, c'est deuxième étape qui c'est, premièrement, au fin négocié, ou si il y a sur le plan international, et puis, on va retourner la Kawabel, ou va le faire ratifier devant le parlement. Ratifier par le parlement. De l'Assemblée nationale. Par l'Assemblée nationale. Donc, la ratification législative, c'est lui-même qui sont sorte de mandat du président pour la ratifier texte encore sur plan international. Donc c'est deux ratifications. Maintenant, c'est la ratification sur le plan international, c'est lui-même qui faut une partie à traiter ça et dès pour finir ratifier le bagnon qu'a encore pour exécuter. Rété. Ah, on faut tirer là. On faut tirer là. D'accord. On t'a dit que donc comme nous pas parler de Kounia parce que nous pas gain parlement parce que lui bien dit faut qu'il ratifié par l'Assemblée nationale, ça veut dire ensemble deux branches parlement, la Chambre des députés et le Sénat. Donc pas rien ça. Cependant, on t'a dit que toute sa fin fête, président, il négocie, il signe, etc. Et puis il voit il dans l'hypothèse de l'Assemblée nationale pour ratification, il a ratifié texte là, texte publié. Voilà que l'autre gouvernement qui vient après. Hein, li estime que texte a été mal ratifié, est-ce que il gen capacité pour ta révoquer texte ça? C'est peut-être ça. C'est bien. Mon content que vous posez question ça. Yeah. C'est peut-être ça doit international bon possibilité pour capable faire un panel pour ca dénoncer texte là. OK. Kounia, ou ca dénoncer texte là, par exemple, m'a posé pas fort. Premier ministre Ariel Henry nous dit que li sont premier ministre de facto. Oui. Mais désolé, le droit international dit, il n'y a pas besoin qu'on ait, est-ce que son gouvernement pas intérim, dès lors que son chef de gouvernement, il a le droit de signer tout accord international. Il a une capacité pour le signer. Maintenant, l'un signe, nous estimons, le Parlement si estime que le gouvernement, ça son gouvernement de facto, qu'il n'a pas de droit de signer, c'est le Parlement, ça qui a le droit, payant, l'autre gouvernement qui vient, c'est lui qui va dénoncer texte là. Il a dit, écoutez, moi, je demande que texte pour me retirer la donne, parce que pas de accord encore. Intéressant. Maintenant, bon, l'autre bagaille, en droit international. Si vous finissez un accord, ça a été, vous faites 20 ans ou à pratiquer. Pour exemple, que vous n'avez pas d'accord qui existe là, oui, c'est entre Haïti et les États-Unis. Mais Haïti, pas connu, le gouvernement pas connu, actuellement, ils font tweet. Moi, je dis, si vous êtes ministre de la justice, premier acte que vous avez posé, je vais préciser le combien, maintenant, 24 heures après, c'est à demander au ministre de l'étranger là, voyez tout accord, je dégage tout accord Haïti signé, surtout accord après 1945 que les Nations Unies ont créé. Voyez pas gouvernement pour nous publier, c'est important. Parce que Haïti, c'était, autant de que mon ami dit Haïti pas signé accord sur question d'extradition, c'est pas possible. Bon paquet d'accord Haïti signé là, oui. Moi, oui. Rété. Bon paquet d'accord sur question d'extradition. Hey! Haïti signé. Eh ben nous mêlés, oui. Mais nous pas connaît, yo. Maintenant, c'est deux voix, c'est Wall, mini-justice là, et mini-justice ça, le Carrelto. Madame Emily Prophète, l'ICA, mandé ministre Affaires étrangères là, monsieur Genius, lui demander, lui dire, écoutez, dégagez-vous, joignez pas dégagez-vous, dégagez-vous dans le sens, c'est une question de collaboration interministérielle. En ouais, en joignez, tout traité haïtien pour nous publier parce que la protéger citoyen. Non seulement la protéger citoyen, j'aime tout dire l'introduction, non, mais la bonté pour sécuriser l'État. Maintenant, depuis au fin
ratifier à quoi ça. Donc faut exécuter. Maintenant sous pas exécuter le coup pas de problème le ça on va voir que yo ka condamné Haïti devant la devant pardon la cour de la cour internationale de justice. Maintenant kounia j'en soutiens si mes si mettait pas de gagner qualité pour te signer sur un accord international. Eh bien moi vin président ça me fait moi dénoncer à quoi. Moi dit moi pas d'accord avec elle parce que moi te signer là me dit pas d'accord moi sorti et non non à quoi. C'est seul ça ou ka fait. Mais tout ton pas dénoncer à quoi li était applicable ou pas ka brandi constitution là pour dire constitution n'a pas de pouvoir extradition. Non pas comme ça. Constitution n'a pas de pouvoir extradition mais aussi un accord international sur extradition. C'est ça que me dit que la constitution c'est-à-dire le droit interne et le droit international des traités yo chaque autonomie pa yo. Ou pas qu'on mette constitution là pour dire ou pas exécuter un traité international. Non. Maintenant qu'on est sur le plan interne ou qu'a bloqué exécution. Ça c'est ou même sur le plan interne devant juridiction nationale yo. Mais ou pas qu'à empêcher pour exécuter. Maintenant bon l'autre précision besoin faire c'est qui est important dans ce que je dis. Pas bien été. Même là ou qu'a dénoncé. Mais souci on encore extradition avec États-Unis par exemple ou bien la France. Ou fait 50 ans ou va pas appliquer. On dit aussi en depuis 1950. Ou va pas appliquer. Ou appliquer. Tout gouvernement qui vient venir, gouvernement Préval, gouvernement Matéli, gouvernement Aristide, il n'y a pas de me dénoncer. Lors par exemple, vous voulez dénoncer, il y a de nous, il y a tout tard. Parce que vous consentement par la pratique que vous faites. Parce que vous avez 50 ans de pratique, vous n'avez pas de me dénoncer. C'est là que vous dites, oui. Donc, vous n'avez pas le phénomène va dire, écoutez, vous avez tel monde qui ou pas qui vous moins parce que son théorie est. Eh bien, il parle devant la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice va dire, écoutez, ou pas qu'à venir ou à dénoncer le gouvernement parce que c'est trop tard, parce que ou bon comportement, on consentement passif avec régularité traité. Donc, ou pas qu'à dénoncer encore parce que ou bien trop de temps pour pratiquer. Donc, c'est ça fait que, je vous dis, l'important pour nous avoir des monde qui valable, qui représentatif dans le Parlement, parce que nous, c'est pour l'apprécier, traité à l'élu de le président côté le Bayo, pour lui-même, pour eux-mêmes, pour parlementaires, pour l'analyser, pour dire est-ce que le texte est conforme à la Constitution ou bien est-ce qu'il répond avec valeur, pays, nous, etc. C'est même là, par exemple. Soufine, si on a encore un bon exemple comme ça. Soufine, si on a encore sous question de homosexualité, mariage homosexuel, par exemple. Nous-mêmes, dans le pays, nous avons tradition que non pas faire promotion pour l'homosexualité, même là, son droit, etc. Nous respectons. Non, professeur, on va exemple, vous avez même pas qu'on cosse, non? Où est-ce? Non, non. Non, mais nous pas qu'on est, c'est monsieur au cap là, au grand petit bagage qui fait au cap et même dans petit bagage inch là moi gagne deux monde qui gagne les deux petits filles qui gagne les passer main sous l'autre. Ça veut dire que bah on envie prendre chaîne en pays ou pas font coup de jeu ou pas ouais nous signer ça. Nous songe aïe te propose un bagage comme ça dans parlement. Faut qu'on connaît tellement gagne encore nous pas on signer là. Ça dit faut tout poser des questions ou pas ouais ça. La première restriction était et à laquelle je suis soumis, c'est que moi bon obligation de réserve côté mon travail là. Okay. Pas faire ça. Dans quatre travail moi deuxième bagarre encore tout, moi gagnons obligation de neutralité. Oui. Parce que quand tu fais partie des Nations Unies, ou obligation de neutralité ou pas ca. Oui, mais mon pas ouais. Mais quand même, ou je vais pas tomber son bail comme ça. C'est de te sauter. Bon. C'est de maintenant. Tout fin si on accord pour homosexualité ou reconnaître mariage homosexuel. Et puis, vous dites consacrer au fin de signal, et pour au bas de la constitution, au signal ou ratifier. Mais ce n'est pas après pour vous dire consacrer, li pas gagner, li pas refléter valeur que nous gagnons, que nous gagnons. Non! Maintenant, vous n'avez peut-être pas que pour nous gagner au Parlement, des parlementaires qui ont une capacité d'analyse, de réflexion, pour qu'on dit, écoutez, c'est ça, li pas refléter valeur, la caïnon. Nous pas le président droit, nous pas le mandat pour la ratifier sur le plan international. Donc ça fait que l'important effectivement qu'on ait des mondes qui valable dans le parlement ça. Et c'est là sur ça qui fait que nous bon sujet d'actualité. Peu importe ou pas dépersonnaliser, mais l'important parce que moi réagis sur lui en pile. Le Haïti fait ratifier convention Nations Unies contre criminalité organisée que qui était conclu le 15 novembre 2000. Que moi je dis tout à l'heure Haïti vient partie à convention ça le 19 avril 2001. Nous sommes énoncés à l'heure principe directeur de ratification accord qui gagne au regard de convention, double convention Vietnam, qui c'est et convention 69 et 4600, et surtout au regard du droit international des traités et au regard de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. C'était. Qui s'est passé? Gagne des juristes haïtiens qui disent, mais non, Haïti, moi, j'ai eu une discussion avec un juge, un grand juge, qui est très compétent,
qui dit mais Gabi bon problème parce que constitution haïtienne non li pas pré en tout cas li interdit extradition dit mais ça c'est le problème d'Haïti ça ne regarde pas le droit international donc vous pas capable dire et constitution là effectivement que lui-même n'est pas connait nous discuter sur ça moi même pas connait tout écoutez en droit international ou pas capable une excuse avec constitution là que on dit qu'il va se voir extradition ça c'est pareil parce que ou t'es en train de ratifier si les États-Unis bande pour extrader un monde ou extrader monsieur Guy Philippe Bali faut rebali parce que bon ou t'es en train d'accord ou t'es signé convention ça convention et 2000 ans professeur Blaise attends le pourquoi aller vite là parce que majorité monde qui prend position des avocats bon quand même anciens n'a pas tendé dans pays hein yo tout dit que pas de jambe gen question accord pas de jambe gen question en ça en aucun accord qui était signé accord comme si traité d'extradition entre États-Unis et Haïti pas de jambe gen bagarre comme ça du tout qui ti lumière capoté en plus sous non parce que c'est vrai ou évoquer question de quoi 2000 ans mais justement mon yo continue à dire ça dans média sur réseaux sociaux yo dit pas de jambe gen accord qui était signé entre Haïti et les États-Unis pour question extradition ba non plus éclairage sur ça. OK, la première façon en fait pas la première façon premier conseil que m'a bail j'initio les évoquer ça faut y aller d'un côté pour qu'on recherche dans section droit des tributaires regardez pour nous est-ce que Haïti d'abord, parce que bien façon de faire recherche là, est-ce qu'il a été signé un accord bilatéral avec États-Unis sous question de l'extradition? Deuxième raison qui est important, c'est que vous le connaissez. Haïti pas obligé de signer un accord bilatéral, mais dès lors que Haïti signe un accord multilatéral qui gagne partie la donne, qui dit Haïti partie la donne, États-Unis partie la donne sur l'extradition, automatiquement il y a une extradition entre Haïti et États-Unis. Ma proposition, ça me dit. Bon accord qui signe sur l'extradition, qui dit Haïti, Saint-Domingue, la France, Canada, Barbade, peu importe. Je dis qu'il y a 40 pays qui disent aussi qu'ils sont encore extradition. Ils sont d'accord que si vous avez une infraction qui commet sur notre territoire 40 pays, l'autre pays qui a demandé pour extrader. Automatiquement, que Haïti, il y a un accord d'extradition avec les États-Unis. Mais il n'est pas bilatéral, il est multinational, il est multilatéral. Donc, moi-même, je connais des accords qui existaient. Entre eux, en tout cas, Haïti partie la donne, ni États-Unis partie la donne, sous question d'extradition. Débattant, c'était que vous m'avez fait recherche d'abord, pas arrêter sous question, moi, mon été son pratique 1997 sous préval, non, c'est pas vrai du tout. C'est pas la pratique. C'était moins sur Julien encore. Blanc, pas jamais demandé un bagage qu'il connaît, qu'il n'a pas existé sur le plan illégal. La force, si on bagage Bali, mais l'a cherché en question légale. Ouais, faut le gagner appui. Nous fait débat ça. Appui légal dans la fiche quand même. Ouais. Et ça te fait souvent, il y a ces vents en de nez qui pas fin clé. Parce que là, on entre avec nos espaces, il y a des choses. Ouais, on gagne ça. So. Donc, on ouvre tel bagage. Si on ne veut pas faire tel bagage, donc arrangez-vous, banon tel bagage. Mais, il voilà. Y a pas fait, il y a même, il y a fort fait. Et ça te fait un pile nèg qui pas droit faut nous prudent dans l'élection pour aller dans pays hein pour nous pas voter nèg qui dans drogue qui dans kidnapping qui dans gang qui dans volo qui dans corruption parce que nèg ça ont épée d'amoclès sous doyo yo pas jamais ca négocier ces deux bagages pour le pays ou mettre avancer professeur et c'était là une justice au grand beau travail pour faire qui est important à travers le sujet d'actualité ça c'était une justice là grand beau travail pour faire l'ICAF avec ministre affaires étrangères là. Ministre justice, j'aime tout dire, mandé ministre affaires étrangères là, important pour nous parce que le sujet d'actualité, c'est un sujet d'actualité dans le grand pays. Il fait objet de débat. Yeah, et puis, le gouvernement réagit très rapidement. Le gouvernement réagit très rapidement. À travers une question de notion, mon cap défendre les partisans de Guy Philippe, les refusés de Guy Philippe. Je ne connais personne avec Guy Philippe, je ne connais même pas. Non, je ne défends pas un principe qui est important. Et ça va me défendre dans le bon pour Guy Philippe tout. Demain, si Dieu veut, yo. Guy Philippe n'a pas mis candidat, même à la présidence. Demain, si Haïti veut se faire juger, Guy Philippe va dire non, juger et USA déjà. Nous condamnons déjà. Nous ne pas demander pour venir juger pour blanchiment. Encore. Et dans ce sens-là, ma fonte parenthèse, moi, étant des juristes qui énoncent, qui disent, oui, infraction de blanchiment, n'est pas trop consacré dans le droit interne, dans le droit haïtien. Parce que yo reproché Guy Philippe des faits qui passaient en 1997, alors que blanchiment est consacré en 2001. Là, on l'a fait, ils ont besoin de votre CDT. Il m'a écrit sur ça.
Le blanchiment, c'est une infraction occulte. Ça veut dire une infraction occulte. Infraction occulte veut dire qui ça? Je prends un exemple très facile. Je prends un exemple ça, même pas le prendre encore. Je suis un dévoué le pauvre. En tant que M. Guy Philippe, lui, il a reproché les faits, il a des faits de corruption, lui, je ne sais pas, il a commis en 1997, pas de problème. Même l'agent ça, 97 ans, il a été investi en 2000. En 2001, il y aurait que, pas dans 2001, en 2001, ils font caille à l'agence qui était faite en 97 là. En 2014, Guy Philippe vend l'agence pour le TK financer en partie dans l'élection. Mais écoutez, le blanchiment commence à partir du, commence à partir de dernier acte qu'on commet là. Oh, non, que... non, ça, ça est important, oui. Ça est important. On va le reprendre. Oui, on reprend, pour le peuple là. Je reproche Guy Philippe, par exemple, des actes que te commet, nous admettons, je dis, que Guy Philippe vient des actes, je reproche en 1997, pas de problème. L'agent 97, ça, il investit, il y a son caravel depuis en 2001. Alors, ça, c'est un exemple, n'apprend, hein, pour mon yoka comprendre. Oui, c'est exemple, n'apprend, oui. Il investit comme ça, il y a son bel caravel, Jérémy, en 2001. Là, c'est trois cas, par exemple. Il y a un caillou, il parle d'élection en 2015. Les élections territoriales, les salariés, qui ça le fait, ils vendent une caillou, ils investissent dans l'élection là. Ils font enquête, ils regardent, ouais, comme Guy Philippe a investi dans l'élection en 2014-2015, il fait campagne là, c'est l'argent qu'il a. Eh bien, le délai de prescription de blanchiment, il commençait à partir de. À partir de dernière action que le posé, hein. Dernière action que le mettre là. Nous comprenons. C'est dernière action posée, c'est l'État, c'est l'État où il est, que le blanchiment, c'est une infraction. Aucune. Maintenant, ça a dit pas qu'un bé, mon cap défend Guy Philippe. De façon, parce que moi-même, je me suis dit, pas de problème, je dis, c'est vrai que ça n'a pas intéressé, mais je dis, c'est un avocat Guy Philippe, je ne vais pas défendre sur Anka. Et je pense que mon cap défend Guy Philippe sur Anka, il n'y a pas de service. Il n'y a pas de service pour dire qu'on est une infraction États-Unis, il n'y a pas de reconnaître sous plan national, sous plan interne haïtien. Il n'y a pas de service pour dire qu'on s'accueille infraction ça, puisque l'été commet à cadre en 1997. Donc, je ne vais pas reprocher des blanchiments en Haïti. Ça n'est pas qu'un bébé, je pense que ce n'est pas la meilleure façon pour le défendre. Il y a un droit pour le défendre. Il y a un argumentaire peut-être qui est défendable, mais franchement, ce ne sont pas les meilleurs moyens de défense que pour Guy Philippe. Maintenant, pour qui ça, moi, dit ça? C'était sous l'article 5 là. Et moi, quand même besoin de l'article 5 là, on a aimé pour l'article ou simple article TT. Parce que débat, pas un débat sur ça. M'appelle article 53. Conférence, on va lire pour vous en tête, si vous permettez moi. Comme deux secondes, m'appelle pour article 53 sous. Très bien, ok. Article 53 sous. M'appelle qui est lié pour tout le monde noter. C'est conférence des parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Conférence des parties, ça, c'est un texte, c'est une sorte de décret d'application de convention 2000 ans. Vous vous souvenez de convention par l'M 2000 ans. Convention par l'M 2000 ans, c'est une convention qui te dit, qui fait en tout pays, Haïti fait partie des deux, qui dit qu'il y a combat en élé et criminalité transnationale, qui vient blanchiment là-dedans. Là. Maintenant, il y a une conférence des parties à la Convention des Nations Unies, pays. Et eux, ils viennent pour conférence le 7 août 2017. Ils ont dit, mes façons qu'on y a pour nous faire une meilleure application de convention de signée. Qui ça, article 53, dit ici? On va avoir un débat sur la question de reconnaissance mutuelle de décision pénale. Donc, décision qui sort, qui condamnation de Philippe Blanc, est automatiquement transposée en Haïti. On va lire l'article 53 pour vous, c'est qui ça le dit. L'article, l'intitulé, c'est effet du transfert des procédures dans l'État requérant. État requérant, c'est État qui mandait mon nom. Par exemple, si États-Unis mandait M. Guy Philippe à Haïti, États-Unis c'est l'État requérant, Haïti c'est l'État requis. L'article 53, l'article 10 du traité type, pas bien que M. Doux traité type, c'est convention par les mon nom. L'article 10 du traité type prévoit qu'une fois que l'État requis, en parlant de Haïti, a accepté d'intenter des poursuites contre le suspect, l'État requérant, États-Unis, suspend ses poursuites sans préjudice des enquêtes qui se révéleraient nécessaires et de l'assistance judiciaire à fournir à l'État requis. Jusqu'à ce que
et là nous va là jusqu'à ce que l'État aussi Haïti savoir à l'État océan que l'affaire a été définitivement tranchée. C'était pas un débat sur ça. Qui ça veut dire? Non, faut reprendre là encore. Faut reprendre texte là. Seulement lit texte là encore. Ou elle le peuple là, c'est moi même gonti bagaille me pas fin comprendre et c'est ça qui mettait confusion. C'est là m'a attendé, me pas sûr que bon pour moi même professeur Blaise son référence pour moi qu'on voulait qu'on pas voulait. On connait font y parler parfois à trois professeur Saint-Louis mais qu'on y a l'anti crasse dans l'autre bois mais professeur Blaise son référence pour moi. Les là son docteur lié c'est pour un cadeau au fel. Nous disons ça déjà. Maintenant, en pile débat qu'a fait m'a tant dans série de nèg qui a parlé, bon ancien gros avocat dans pays, est-ce que c'est lié au manque li ou bien est-ce que ça au lié yo pas comprendre yo ou bien c'est exprès yo fait même pour capable brouiller cervelle peuple là qui la gagne plus parce que c'est débat mon yo fait dans médias la gagne plus dans confusion hein, oui parce que chaque nèg vina on bagay pa yo dou mais ça la loi dit alors que yo pas ka bon texte légal qui explique Jean Abdi là mais ça la loi dit relis article 53 pour pays à professeur Blaise parce que peuple a besoin ça ah, moun ki sou fait débat yo besoin ti parti ça c'était honnêtement on ka trompé de bonne foi mais honnêtement mon cœur est jaune sur qui évoque que condamnation pénale monsieur Guy Philippe là n'est pas applicable haïtien parce que yo de bonne foi pour qui ça nous faut dire parler c'est que yo pas faire recherche là yo pas gain traité dans mais yo et problème nous problème d'état parce que traité pas publié en Haïti tout quand nous publier yo parce que texte pas porté à la connaissance de juridiction moi même moi bon sens je dis moi faire recherche moi gain ou ka gon chance ou même mettre recherche ou le gain mais gain des avocats qui pas faire recherche pour gain gain des avocats qui pas gain possibilité base de recherche ou bien pas prendre temps pour faire recherche ou pas de texte mais texte existe maintenant pour qui ça fait moins insister et c'est parce que gain des juristes qui dit condamnation qui vous allez pas reconnaître dans l'endroit haïtien moins persister moins dit non moins quoi à 300% oui condamnation monsieur Guy Philippe Blanc il reconnaît automatiquement dans l'endroit haïtien. On va le dire, pour qu'il s'en m'a pour l'idée de se dire, c'était. Effet du transfert des procédures dans l'État requérant. Ça, c'est l'intitulé du texte de l'article 53. L'article 10 du traité type blanc, pas oublié, nous se dit, c'est la Convention du Parlement sur question corruption, blanchiment. L'article 10 du traité type prévoit qu'une fois que l'État requis, Haïti, a accepté d'intenter des poursuites contre le suspect, l'État requérant, les États-Unis, suspend ses poursuites sans préjudice des enquêtes qui se révéleraient nécessaires et de l'assistance judiciaire à fournir à l'État requis, jusqu'à ce que l'État requis fasse savoir à l'État requérant que l'affaire a été définitivement tranchée. Je continue. À partir de cette date, à partir de date que l'État requis a fait trancher, à partir de cette date, l'État requérant classe définitivement les poursuites à l'égard de l'infraction considérée. Rété. C'est ce qu'on appelle rété, c'est ce que je viens de dire, ou pas qu'à juger le monde deux fois pour même bagaille là. C'est clair, c'est. C'est pas moi qui ai voté. C'est un texte qui dit. Le texte l'a dit, depuis, par exemple, États-Unis mandé Haïti, il dit, bon, monsieur Guy Philippe, parce que j'ai besoin de juger. Haïti a dit non. Moi qui étant là quand moi m'exerce poursuite contre lui-même automatiquement États-Unis a dit moi suspend sous poursuite là quand pas non parce que j'étais jugé là quand pas d'où la maintenant, nécessité professeur Blaise c'est ça m'a dit mon yo chaque jour si gien des nèg reprocher des bagarre en Haïti il est nécessaire jodi hein pour la justice haïtienne t'a prend responsabilité parce que gon paquet mon yo reprocher des bagarre alors que la justice haïtienne fait silence total. Alors que yo gen argument, yo gen élément nan men yo, si toutefois ou ta pren une décision de justice contre moun sa yo, quelque part yo sauve, yo protège moun yo tout quelque part si ou ta pren. Nous sommes douli là, bien nous douli du traité yo, c'était ou tellement au fond bel exemple, nous sommes douli parler à tout, j'en sommes douli ou tout de pas comprendre ce qui s'est passé, puis en plus détaillé parce que son journaliste, ou gen plus élu quand se passe. C'est parce que n'est pas intelligent, oui, et en Haïti. Tu pas intelligent. Moi même si non pouvoir m'ta autorité yo reproche m'pa pas encourager corruption mais yo reproche mon bagage en Haïti c'est rapide parce que m'fait jugement en Haïti plutôt oui
Parce que son protection liée pour vous ou fin juger la caillou. Mais quand alors ça crive là gon l'autre problème professeur. Bon ouais ti parti ça dit là. Nèg gen droit tout prendre pour profiter tellement justice bon. La malade dans pays là. C'est ça. Oui, c'est là-bas la mélanger. Kou n'yon rien droit ouais. Parce que Haïti gon problème, c'est ti malheureux qui est dans prison. Gros nèg ak sou li ak kol yo gen l'argent, yo parle dans prison, yo gen juge pa, yo gen commissaire pa, yo gen chef police pa, tout bagay pa yo. Mais c'est ça, et ça m'pas ka comprendre que manque de pas konnen, yo manque inventif. Parce que c'est ça que m'pas ka comprendre Jovenel Moïse, sous question Petro Caribéen. M'pas ka comprendre conseil Jovenel Moïse pour pas dire président, tout profiter final dossier ça là pour juger, pour juger moun y a jugé yo. M'pas ka comprendre que par exemple que moi gen pouvoir nan même on va encourager corruption, on va encourager impunité, on va encourager la criminalité. Mais on fait une réflexion sur la réalité. Nous manque intelligent. Si nous avons pouvoir nan même, yo reproche mon bagage dans pays. Nous connaît que justice nan li déjà chef déjà c'est pour moi que la paix, mais toute façon pour manipuler. Pardon si m'a dit ça, excusez-moi, tout profiter juger la caille moins. Qu'aime blanchir la caille moins. Parce que sous intention, il va pas faire rien encore. Mais yo gen les peurs, gen quelques juges yo, il est relé ou pas. D'accord, pour le jugement rentrer là, on peut aller, on pas ça qui passé. Bon. Gen les pas tout juge yo veut aller devant lui, c'est ça problème dans mélanger. Maintenant, le principe général en droit international, c'est que, et c'est pas moi qui ai inventé, nous avons dit l'article 14.7, pacte international relatif aux droits civils et politiques, lui consacre. Article 8.4, convention américaine relative aux droits de l'homme, lui consacre le moins dit dans thèse, dans travail de recherche, dans thèse de programme, non, ou pas qu'à juger au monde deux fois pour même bagarre va exister. C'est dans le monde entier, son principe universel lié. Ouais. Et mais là, article 53, sous conférence des partis des Nations Unies, lui redit encore là, lui dit, depuis, par exemple, États-Unis mandé M. Guy Philippe pour lui dire bon, moi, mandé gouvernement haïtien, bon, Guy Philippe, m'brandi en convention multilatérale, m'dit oui, pour avouer le bon, moi, convention Palem 2000 ans. Haïti a dit non. États-Unis, beaucoup capable, m'pas capable le bon, parce que m'a commencé à juger la carte, m'a poursuivre pour lui. Automatiquement, États-Unis, la suspend sous poursuite par là. Kounia, si États-Unis gagne des informations, par exemple, dans Action Blanchiment, il y a un cas qui Philippe bien Miami, il y a un cas qui Philippe bien New York, bien Boston. Il y a vos informations, ça y est, par autorité judiciaire haïtienne, dans le cadre d'un trait judiciaire. Ta professeur Blaise, mes problèmes, est-ce que mon yo qui est dans l'État, qui est autorité, qui est dans le ministère de justice, etc., est-ce que yo pas une compétence vraie pour comprendre ou bien connaître ça, pour expliquer là yo? Parce que, écoutez, nous, c'est tellement nous marcher tête baissée devant blanc. Comme si, malgré des accords, des traités, des conventions, des bails que nous ratifions, nous signons. Mais le Bible en parlait, nous courons, oui, amen. Alors que nous avons un argument que nous devons défendre tête, non. Mais oui. Parce que là, nous parlons. Il y a des arguments maintenant. Pour qui ça, c'était, vous pouvez voir, échange ça, ça n'est le transfert des informations. Si Haïti dit, poursuivre M. Guy Philippe. Et puis, États-Unis disent, OK, si vous décidez de poursuivre lui, justice soit au sud la donne, il est fiable, pas de problème. Moi-même, j'ai une information là, quand même, qui dit, monsieur Guy Philippe, il est en Miami. Que l'ENGA pour notre train de ville, pas permettre qu'il est en pour $700,000. Nous, elle est en Boston pour $1,000,000. Nous, elle est en New York. Mais l'information m'a brûlé. Pourquoi ça vous fait ça? C'est parce que les autorités judiciaires haïtiennes n'ont pas prononcé décision finale, c'est-à-dire les jugements de condamnation. Là, ça qu'on a pu ordonner confiscation, bien ça retourne aux États-Unis. C'est pour ça qu'il a changé, au fait. Pour qu'on ait États-Unis qui t'envoie information à Haïti, pour dire, mais bien que le gagnant nous trouve que c'est bien illicite, dans la décision judiciaire qui a sorti la décision finale, là, Haïti a dit, le tribunal a dit, nous condamner Guy Philippe à tant d'années d'emprisonnement, plus confiscation bien sérieux, saisie, c'est confiscation bien sérieux, qui l'a gagné aux États-Unis, l'a gagné à Miami, l'a gagné à Boston, l'a gagné à New York, parce que nous avons information dans le cadre en fait judiciaire. Pour ce qui est simple, c'est tout. Alors, professeur Blaise, ça qui est un petit crasse à tourmenter l'esprit, tout, c'est parce que si il y a un accord multilatéral qui est signé ou bien bilatéral, et c'est problème ça qui est posé entre Haïti et la République dominicaine, il y a un marché binational, mais généralement, c'est marché dominicain qui fonctionne. Donc, en principe, effet de réciprocité que n'a pas Léon, est-ce que tout, professeur Gabi Blaise, on pense que si on américain un ta fond bagaille dit qu'on a l'Haïti il fait des blousailles et puis il ta vienne là États-Unis ou pensez haïtien Haïti gouvernement haïtien commandé américain pour envoyer grand américain ça bali Haïti c'est un
sont très belles questions posées. Et en droit international, c'est la loi du plus fort. Nous ne pouvons pas battre nous mots et mentir. Pour qui ça? Et c'est pour ça que nous faisons la commission, nous sommes pour tout à l'heure. La commission fait pour qui ça? C'est parce que il y a des pays qui estiment qu'ils faire justice sur eux en confiance. Confiance. Par exemple, les États-Unis ont dit, écoutez, la parole en thèse, l'allégation, vous écoutez, justice sur eux, on va faire confiance parce que, ou quand vous êtes américain dans la carrière, vous pas protéger, il y a une corruption, ou quand condamné, le sens que vous pas même le droit à la défense. Mm-hmm. Par exemple, pour le défendre, peut-être, pour gagner des pour gagner accès à dossier, à pour le donner pour préparer défense, ou pas qu'à mettre en prison comme ça, donc la détention provisoire, c'est l'exception. Donc, États-Unis a avancé tout argument ça au devant pour dire pas que la justice soit confiante. Jugeons qu'à condamner le temps que parce qu'il n'y a pas de balle, parce que n'a pas de balle l'argent, il a condamné innocemment. Donc, il dit pas qu'elle confiance, mm-hmm. Plutôt qu'il la crève pas, plutôt pour me juger le plutôt. C'est ça, tiens. Très content que et hypothèse ça pour avancer là. C'est ça fait que les États-Unis mandent un monde, ils dit bon monde non, moi mande pour le bon monde en cas de diplôme. Si Haïti t'a dit non, comment ça peut exister pour ce que et pour la Cali, États-Unis a dit non. Attention, il fait blanchiment la CAO, mais blanchiment c'est comme ça au lit fait et allié sur la CAO pas tout. Donc Guy Philippe sont par exemple Guy Philippe ou bien peu importe non, Guy Blaise ben non, il représente un danger pour moi tout. La CAO pas. Donc s'il représente un danger pour moi là la CAO pas. Je pas juste soit confiance qui t'aime juger le pito. Maintenant, l'homme qui juge la CAIPAM, lui condamner, lui tout reconnaître comme condamné la CAIPAM. Okay. C'est ça, c'est. Je pas le bon exemple, c'est dit. Vous connaissez que Haïti, t'es Kafon Magaï, pendant qu'il fait lui condamner à 7 ans d'emprisonnement aux États-Unis, Haïti, t'es bien droit de dire, écoutez, États-Unis, mandons pour vous et Philippe Bonmoin sous 3 ans, sous 4 ans, pour faire 2 ans. Deux ans peignant la CAIPAM. Ça dit peine partagée. Et yo tous les deux qui vont là-dedans. Bien sûr. C'est ça que vous rappelez. L'argent, tout l'argent qui blanchiment, tout bien qui fait partie de blanchiment, on ne va pas comprendre. Tout bien qui fait partie de blanchiment aussi, on confisque. Eh bien, ça, les États-Unis prennent la CAIPAM pour compte Guy Philippe. Haïti, c'est son partage qui gagne la donne. Haïti gagne la donne. Il est supposé demander l'État américain si c'est 1 million de dollars ou 500 000 dollars. Ou bien, si selon Jean à quoi il fait entre eux, il a dit 300 000 $. Rété. C'est même Jean, par exemple. Guy Philippe était condamné en Haïti, et c'est ça pour défenseur Guy Philippe, qui comprend. Guy Philippe était condamné en Haïti, États-Unis dit écoutez, prison la CAO a fait des cas et tout le temps, on va faire prison la CAO et confiance. On va prendre mon petit service. On menace sur question de prison qui la CAO, bon question de ISO, bon question de Maron et Maman sans jour qui menace pour le cas de prison. S'il a pris pas le cas de prison. Guy Philippe fait 3 ans la CAO, il manque 300 voulait le bon moment m'a demandé pour une terre dans la CAIPAM. Est-ce qu'on t'en dégoser? C'est ça qui s'en est fait. Non, professeur Blaise Bomdou, ça a lié engagé tété. Me rend moins compte que problème Haïti gen là et m'a regardé même en bas live là, son problème d'instruction, son problème d'éducation, son problème l'école, son problème monde qui pas connait li, son problème monde tout qui connait li oui, mais qui quand même continuer à dominer, à jouer sous misère peuple là. Et ça te fait ou pas créer l'école pour nous, yo pas ba nous éducation, yo pas vle petit peuple là l'école, yo pas venir apprendre parce que yo pas vle comprendre réalité là. Mais droit c'est belle bagaille. Et droit c'est belle bagaille professeur, c'est belle bagaille. C'est belle bagaille. Moi c'est une belle bagaille, c'est parce que nous pas prendre de recul pour nous faire analyse texte. Je dis en montant je te dis là mon respect pour pile juridiction, en pile avocat yo. Qui a défendu ce qui est là. Là, professeur, vous voyez 20 ans pile. Vous avez respect pour vous par sagesse. Mais même dans pile là, vous voyez 20 ans pile, oui. Et nèg mouet plus ou moins correct là, son ami Wana Met. Moi, monsieur, font bon recul là. Monsieur parle en pile bagay sérieux. Son on professeur dans Wana Met. Monsieur correct. Mais quand pile m'attendez là, c'est tête chargée de blouse à net. Mon préféré, moi je comprends, non, c'est mon préféré, j'en te dis tout à l'heure dans début d'émission, là où c'est une possibilité, merci. Je dis que moi, à détacher de toute subjectivité, parce que moi je crois que je suis de bonne foi, c'est parce que je parle de texte. Moi, je parle de référence texte, conférence des partis des Nations Unies, à le texte, à l'article 53, 7 août 2017. À l'île pour nous, que automatiquement nous finissons la poète, eh bien écoutez, la condamnation de Guy Philippe, lui consacre sa nrele, yon transposition automatique dans le droit haïtien. Pas rien de débat sur ça. Maintenant, juriste qui évoquait que qui a défendu Guy Philippe dans ce sens-là, moi je crois que de bonne foi,
moi quand c'est parce que pas gain texte là et c'est des gens qui très compétents. Même désolé parce que moi pas envie dit, moi pas ca répéter parce que c'est un ancien son ancienne autorité, c'est parce que il piège passé. Non, moi pas ca faire ça. Parce que ça me connaît qui bon c'est lui pour me dire population. Ça me connaît qui bon c'est lui même pour c'était bon opportunité pour venir expliquer ouais. Population de quoi il s'agit. Et c'est pour un personnel avec Philippe d'ailleurs on dit que combat ça m'a fait, hein, lutte à moi-même ou même moi fait encore la tête, les bon pour Philippe tout. Mm-hmm. Demain, si je ne focus pas ouais, que c'est seulement le côté négatif. Parce que demain, si je veux dire, ou pas, je me connais. On a dit que Guy Philippe dit, il a annoncé une révolution contre le gouvernement actuel. Là. Demain, si je veux, on a dit que le gouvernement dit, écoutez, le Premier ministre Ariel Henry a dit, bon, M. Avant-Mère, des mounéens, le grand dossier blanchiment là que m'balle sortir dans le tiroir pour me faire et pour me faire le rété ou me faire le fret pour me faire le rété. Mm-hmm. Eh bien écoutez, Guy Philippe a brandi décision américaine pour dire écoutez Premier ministre ou font erreur. Mm-hmm. Juger pour ça déjà. Juger pour ça déjà. C'est l'intérêt, c'est l'intérêt de ça m'affaire. C'est pas contre Guy Philippe en fait. Ça veut dire que non professeur Blaise parce que là nous tout fini. Ça veut dire que sous base ça professeur Blaise. Si yo ta vle attaquer Guy Philippe sous même ça ou ta ou bien ou te reproche li, Guy Philippe gen élément nan mel pou di attention chef là ou prend lumière rouge moi condamné pour infraction ça déjà. Bien puisque Guy Philippe condamné pour infraction ça déjà, est-ce que ça vle di automatiquement Guy Philippe c'est un nèg qui perdu droit civil ak politique li? En fait ah non, clair, professeur. Bah, voilà, m'dou, c'est vous ça, m'gré, l'eau, faut nous comprendre. Parce que, n'a qui si tel m'a tacle, moi, comme si moi-même, pas comprendre rien, et parce que m'bav le wègue, au contraire. Si Givin là, la font révolution, c'est moi, le sérieux vrai, la capotarie, elle m'a marché de elle, red, mais faut nous faire point du doigt, faut nous dire pays, ah oui, Guy Philippe, ka un bon combattant, monsieur, ka un soldat, pour le chavirer Ariel, mais le pape, ka vin président, parce que, en dépit de tel bagage, mais ça qui passe, en nous, allez, non. Qui donc, professeur Blaise, sous base ça, yo pas de arrêter monsieur pour même infraction parce que il était jugé déjà puisque il jugé le condamné ça veut dire tout il perdu droit civil et politique li. Non pour ça perdre droit civil et politique là c'est un ça ne relé une sanction complémentaire en droit je dis tout à l'heure ou te poser une question le droit pénal il prévoit incrimination il prévoit sanction yo te le démarche ensemble ou pas qu'à prévoir sanction, ou pas qu'à prévoir incrimination pour dire, mais qui fait qui interdit, c'est que le comportement antisocial, pour pas dire qui sanction qui m'a fait souffrir. C'est une allée à l'autre. Maintenant, sanction, elle est divisée en deux. Sanction, l'État a dit, écoutez, moi, décidé pour m'boire pour me condamner à 10 ans d'emprisonnement, 9 ans d'emprisonnement pour blanchiment. En même temps, tout, moi, prévoit que l'homme qui me condamne avec 9 ans d'emprisonnement ou blanchiment, ou a tout perdu, droit civil et politique, ou tout temps à tout. Sont sanctions complémentaires liées. Maintenant, qui ça va faire du mariage que je m'as supposé dire? Non, fallait vous payer, on va parler. C'est mais tout Haïti qui a capté de là, oui. Guy Philippe branché la red d'abtende, ça va dire, professeur. Ah, c'est, faut le connaître comment on a bataille là. Question tellement pertinente, m'oblige à entrer dans les détails. Non, mais ça que t'es, on va parler. Bon, Jean, pour nous poser question et tout. le Guy Philippe, ça, c'est pas mentir. Le Guy Philippe retourne en Haïti, il y a le DCPJ. Qui sa mini justice santé doit faire. En tout cas, ça le fait. L'État suppose automatiquement, il prend mini justice là, c'est sûr, c'est demandé à travers le ministère de l'Intérieur et étrangères pour rapatrier décision qui était condamné qui finit plan pour lui. Faire décision, ça vient de joindre. Automatiquement, décision vini kounia, il y a dit décision, il fait partie de justice haïtienne là. Il a demandé la justice haïtienne prononcer kounia, tête de droit civil pour le politique Guy Philippe. Et ça, c'est le début. Parce que peut-être droit civil et politique, il faut que ce soit un tribunal qui prononce l'encore. Clair. Et il n'y a pas avis, il y a pour 2 ans, il y a pour 5 ans, il y a pour 6 ans maintenant. Où il y a un problème qui vient avec nous. Et c'est là que c'est tout ce qui est important. Nous sommes candidats, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote, mais il n'y a pas de vote. En fait, il n'y a pas de vote, pas de ça. La population a voté, il n'y a pas de troisième dans l'élection, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de l'argent. Et ma compte moi, j'ai tout été qui est important. Je pense que bon juge de final de fin tête. devant notre conseil électoral dans BCE maintenant. Et là ça m'a dit m'a remercier tout, m'a profiter remercier et maître avocat maître Gervais Charles, le grand Gervais Charles qui pas de connaître qui dit
petit pour quoi aller. Il m'a connu, il me dit, pas que non. Ou bien, il a dit, dans la profession, oui. 4 jours, plaide bien, c'est mon cas de défendre tête. Et bien, pour récompense, composition, ça a gagné 2 ans, je veux que tu dis, M. Blaise, ou tellement plaide bien, ou bien raison, mais nous ne pouvons pas faire un beau parce que décision pour aller bien aller. Oui, mon cas de défendre tête, comme député, et bien, je me dis, 2 jours que c'est déjà dans la composition. Comme c'est 3, je me dis, 2, je ne vais pas me dire. Tous les deux. Il m'a appelé, il dit, mon cher, tellement plaide bien, ou tellement défendre tête, ou preuve là-là. Son pays difficile. Mais pays difficile, qui t'a été reproché? Mba jom konne yo kon voye pou se verbal yo, kom si ki sa, so, pou se verbal wè ki enregistre sou site TEP ya. Ki sa mte mwen pran yo, mwen imprime yo pou mwen pote kompwev. Yes. Parce se yo menm ki yo kabay kompwev pou di pou montre ke koman yo te konte, voto, etc. Eh bien, sa yo te reproche yo di kontakte mba to original pou se verbal yo veni, alo se TEP pa ba moun pou se verbal. Oui, te. Donc, bien, je di yo, se sa ki yo kompwev nan. Quand nous avons des gens dans le Parlement qui sont capables, qui ont une capacité pour faire analyse. Pourquoi ça me dit ça? Là où gagné une décision qui sortit comme ça au niveau international. Et bien, il faudra une possibilité pour dire ou à partir des décisions, j'en suis dit, pour dire un tribunal qui prononcer perte de droit civil et politique, M. Guy Philippe. C'est un bon problème. Ou bon loi 2001, ou bon loi 2013, sous blanchiment, ou bon loi qui était révisée, qui était amendée par. Loi 2016, après quand il système n'est pour sénateur de la force, il peut avoir des problèmes avec elle. Mais, si on est qui font plus d'efforts sur les questions de dossiers, etc., provoquer débat sur corruption. Mais écoutez, loi blanchiment, parce que loi qui institue blanchiment, 2001 particulièrement, n'est pas jamais consacré, ils ont pu prononcer pour l'autre peine complémentaire qui s'est faite de droit civil et politique. Là. Non, c'est ça. Fait que je dit ça, Pépé. Moi, je dis ça. Moi, je dis, il faut nous faire attention. Pour les législateurs, nous avons des législateurs assez parlementaires. Il faut qu'ils fassent attention pour éviter, j'en se dire, pour l'argent sale par entrer dans le Parlement. Mais là, dans pile comme ça, là-même, demain, si tu veux qu'on y ait ou fin condamné, eh bien, ou bien, ou pas condamné, l'argent sale par qu'on y ait, alors, par exemple, c'est l'argent sale qui va le financer, élection, qu'appelle président, qu'appelle député, qu'appelle CNC, qui a accédé au pouvoir. Maintenant, pour nous éviter ça, loi 2001, qui était amendé par loi 2013 là et jusqu'à loi 2016 là, qui n'a travaillé au chef d'entreprise actuellement, hein, nous souhaitons que, maintenant, nouveau parlement qui a venu pour les législateurs, lui amendé pour l'ajouter en l'autre peine, qui est peine complémentaire là, pour dire, mais qui ça vous prévoit, si on est condamné pour blanchiment, mais qui ça vous prévoit pour gagner comme perte de droit civil et politique. Je veux dire, pour répondre à la question là, est-ce que M. Guy Philippe lui perd du droit civil et politique? Non, il va perdre automatiquement. Pour qui ça? Parce qu'il n'est pas dans le tribunal qui prononce. Mais, c'est le qui est important. Ça ne veut pas dire, M. Guy Philippe, que le cas candidat. Comment? Il n'est pas candidat parce que qui sa texte constitutionnel a dit? Article 96. Article 96 a dit, ou pour candidat, faut pas jamais condamner. À une peine affective et infamante, et il dit faut pas perdre du droit civil, faut bénéficier du droit civil et politique. Maintenant, on a dit qu'il fallait paraître devant TEP. Il dit écoutez, mon cas candidat, parce que je ne vais pas perdre du droit civil et politique, moi. Eh bien, et le tribunal a dit mais non, on est d'accord, ou toujours bien droit civil et politique, mais où t'es condamné déjà. C'est elle, il dit, il n'a pas dit où, il dit ouais. Si c'est dit tous les candidats, parce que c'est elle, il dit, il n'a pas dit où. Bah, il mélange, vrai, oui. Ah ouais, droit ça, son gros bagage droit, oui. Bah, mais là, bon, garde, t'as le professeur. Alors, là, nous arrivons, professeur, mais bah, où tellement parlé, belle, m'a demandé au responsable, bon, 10 minutes encore. Parce que, professeur, il faut que le pays, qu'on n'aime pas, j'aime tourner sur dossier ça encore facile, faut en profiter. Bon, ouais, m'te dit article 96. Moi-même, sincèrement, c'est dernière intervention sur dossier ça. Parce que je pense que tout le pays attendait et donc, je pense que l'autre radio, quand toi annonce ça publiquement qu'on est acteur de tête et avec un peu de respect pour nous si mon cap de m'interview parce que émission ça sur émission de référence on va besoin retourner sur sujet ça encore. OK, pas un problème, respect pour nous, merci en pile pour respect, merci mettre là article 96 ndelil pour pays, il y a pas plus 3 points là dedans. Il dit premièrement, il dit être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Deuxièmement, il dit que être âgé de 30 ans accompli. Et troisième point qui est très important, il dit que jouir de ses droits civils et politiques
et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun. Ça veut dire que gagnons cumul de conditions. Ouais. C'est pas dit ou, il dit et. Monsieur Guy Philippe a dit, l'a dit, écoutez, moi je joue droit civil et politique. Donc, aucun tribunal qui condamne à un fait de droit civil et politique. Le tribunal a dit oui, d'accord. Le tribunal Macronien électoral a dit oui, d'accord. Mais c'est ça dit et. Il était condamné aux États-Unis. Condamnation là, applicable dans le droit haïtien. Ouais, donc du coup, si elle dit où, elle dit où, c'est une ou l'autre. Une ou bien l'autre. Mais elle dit et. Voilà. Ça dit c'est d'ensemble, tout le bail mélangé. Voilà, c'est deux conditions cumulatives. Donc, je dis, hein, si elle dit où, il ne peut pas dire Philippe Abdi. Je dis au moins qu'un candidat, parce que je suis condamné, même toujours, je dois civil politiquement. Mais à ce jour, je suis désolé, parce que je n'ai pas aucun problème avec M. Guy Philippe, que je respecte en pile. Parce que il y a des initiatives peut-être qui courageuses, que je ne fais pas apologie de action, d'initiative de liée, mais quel que soit ça, on a reproché, mais il y a des initiatives qui courageuses, peut-être qui n'est pas normal, qui illicite, moi je respecte ça. Qu'on citoyen tout qui était élu, peu importe dans les conditions dans lesquelles il a été élu, mais il était élu quand même que, comme sénateur de la République, que je dois le respecter. Donc, moi, respecter M. Guy Philippe, mais à ce jour, au regard de la loi, M. Guy Philippe ne peut pas être candidat, en tout cas, il n'est pas candidaté à aucun poste politique en Haïti. Et là, pas même seulement poste politique, il y a eu de fonctions que le PACA occupé dans l'État. Oui, c'est vrai. Donc, ouais. Et moi, regrette que pour moi, tenu propos ça, contrairement à avec Aîné, c'est le juriste qui affirmait, qui est très compétent, qui peut-être... Qui peut bouiller cette jeunesse-là. Parce que l'autre dit que nèg la compétent, moi, m'entendez. Si m'entendez nèg là, m'entendez ça, le dit. Ça lui dit que, ou m'connaît par sagesse, c'est normal, etc. Mais moi, m'entendez, yo. Parce que là, m'entendez, nèg, faut m'apprendre. Bon, à bouiller cervelle, moi, mettre là, m'vine pas au compétent, parce que cervelle m'a bouillé. C'est m'a comprendre. Parce que là, m'entendez, faut m'apprendre. Et m'comprenne ça, m'dou. Et nèg, yo, bouiller cervelle, moun, yo, dou, tel bagay. Nèg, la douille constitution, alors que gen traité, gen convention, gen accord qui signé. Nèg, la douille, non, pas gen accord, alors que bah, là, il va faire recherche sur ça. Comment font émission pour m'pas préparer? Là, m'vine là, chaque après-midi. On passe au moins 3 heures, oui. Mais on connaît son travail à 4 heures. On gagne mission à 6 heures. Depuis notre travail, on commence à préparer l'émission, oui. Pour me dire qu'on est. Parce que l'émission, non, au moins, il faut me faire 3 heures de préparation pour me dire que je ça veut dire que oui, son pays difficile. Professeur Blaise, franchement, causez en pile. Je pense que en pile, mon capitaine de la rue édifié. Donc, ou clair sur ça. Au regard de la Constitution, et vous évoquez plusieurs bagailles qui sont extrêmement importantes que nous ne connaissons pas, ou dit que oui, Guy capable l'inscrit, li évoqué, li pas perdu droit civil et politique, li, parce que pas de un tribunal en Haïti qui prononce sous ça. Cependant, d'après ça, la Constitution a dit, puisque monsieur était plaidé, bon, monsieur était condamné, eh bien, monsieur li pas capable, ou bien pas éligible. Pour briguer un poste électif et même en série de gros postes de responsabilité dans le pays. Effectivement, parce que gagner ça moins relé la transposition automatique de la décision pénale américaine, donc décision automatiquement reconnaître, c'est la reconnaissance mutuelle des décisions, la libre circulation des décisions pénales. Donc Guy Philippe est au regard du droit haïtien de reconnaître comme monde condamné à une peine affective et infamante. Donc, du coup, le texte a dit « et », article 96 ans, aligné à 3, il dit « et », il va dire « ou ». Donc, c'est, et, bon, on va pas dire de façon regrettable, mais je suis désolé. Et monsieur Philippe, PACA, en tout cas, il n'est pas éligible à un poste électif. Et même, il n'est pas capable de dire c'est de fonction, non, poste non, fonction publique. Là. Et là, ce n'est pas moi qui ai inventé, je me suis dit, moi, conseiller juridique pour aller conférence des partis des Nations Unies, 7 août 2017, article 53 surtout, qui est noir sur blanc, clair, de façon très claire, Jean-Henri Mendy-Lacaino, ce qu'on dit de Coq, qui dit, qui consacre reconnaissance mutuelle des décisions de monde qui de État, qui
qui fait partie de convention convention Palem 2000 ans. Donc et pas gain débat sur ça et si nous pas gain doute si je suis pas gain doute que décision pénale américaine là convention pénale américaine là n'est pas limité seulement avec l'législation américaine, non, c'est pas limité ça, il y a une sorte d'extension de décision pénale ça. Donc effectivement que pour me conclure, Guy Philippe Lika évoqué lui doit civil et politique, lui, c'est normal parce que la justice américaine par rapport à Guy Philippe, c'est l'important c'était pour nous préciser. La justice américaine par rapport à Guy Philippe, lui perdu doit civil et politique parce que il pas de nationalité américaine, donc il soit haïtien. Donc, le tribunal américain n'a pas dit ou perdu de la civilité politique. Mm-hmm. Ça n'a pas intéressé. Parce que ou pas venir candidat à la Cameroun parce que ou pas américain. Yeah. Maintenant, les tribunaux condamnent seulement avec une peine d'emprisonnement. Mm-hmm. Donc, c'est là qu'on peut connaître. C'est une justice qu'on peut connaître. Le rapatrier des décisions, ça. L'aide qui nous rapatrier, il faut connaître son tribunal prononcé et peine complémentaire, ça, qui c'est en perte de droit civil et politique. Donc, à ce jour, il est regrettable, il est vraiment regrettable d'affirmer que M. Guy Philippe n'est pas éligible à des postes électifs en Haïti. Mm-hmm. Pour l'instant. À moins que nous ayons amendé la Constitution, mais ça, pourquoi possible? Mais ça prend temps. Professeur Blaise. Et là, si tu as amendé la Constitution, il faut que tu as retourné sur la décision, sur rétroactivité. Mm-hmm. Parce que, pas oublier que Guy Philippe l'a condamné avant et révision constitutionnelle, ou bien ouvrir la Constitution. Si vous faites la Constitution, vous écoutez toute décision, après une question de condamner à peine à fixer des informations, que s'il est condamné déjà, il n'a pas fait. Sous révision constitutionnelle, ça, ok. Mais si on ne précise pas tout, donc, et Philippe n'est pas candidat, il faut qu'on se dise qu'il peut voir. Il dit, écoutez, tout le monde qui est condamné déjà, il n'y a pas de problème. Donc, même elle dit où, mais il faut qu'il précise que le monde qui est condamné déjà, parce qu'il est consacré déjà que Philippe n'est pas éligible. Donc, maintenant, il faut faire un retour constitutionnel, je ne constate pas tout, je vais dire, écoutez, il estime que. Il y a des gens qui payent en sous-international, qui payent en sous-international, qui défendent par le pays. Si vous êtes condamné, vous êtes fait erreur dans le passé, vous êtes condamné dans un pays étranger, peu importe qui vous êtes condamné, je vous dis, nous avons chance, et vous êtes éligible, vous avez occupé ces deux fonctions administratives qui sont dans le pays. Donc, nous avons travail, nous avons l'avis en famille. Donc, oui, il y a un capital, une réforme constitutionnelle. Mais à ce jour, M. Philippe n'est pas éligible. Maintenant, bataille à qui ça t'a donné? Si ça senti penché sous politique, c'est ça on bataille bien pour parti politique M. Philippe Lan pour le gagner majorité dans le parlement et puis qu'on a pour carrefour comme constitutionnel. C'est seulement ça la consultation gratuite oui là. Eh ben merci professeur Blaise. Chapeau pour vous, frère mon cher, félicitations encore une fois. D'ailleurs, je connais ça déjà et je pense que nous besoin et ben ça yo, c'est vrai que on pas parler souvent. Mais merci pour respect à l'amour qu'on gagne pour travail moi tout parce que c'est difficile pour m'inviter li konta bien content qu'on y en a Amérique là parce que l'heure ça le tape gétan ki le tape il tape 3h du matin en France li kon l'heure ça on parle avec quand même le vo nan dormi parce qu'on gagne pile respect pour travail moi même j'aime gagne pile respect pour travail. Merci professeur Blaise, bon travail et me pense gagne pile monde qui tendait de comprendre pays a franchement édifié. Sauf moun ki pa jam vle apran yo. Merci professeur, bon travail. C'est moi-même qui vous remercie pour votre opportunité. Merci beaucoup. À bientôt. Eh ben, merci tout le monde. Merci. Désolé, nous prenons petit temps. Mais il faut nous rappeler que pendant que nous parlons là, il y a un juge de paix comme une kafouyo. Pas un problème. Un pays difficile. Oui. Pas un problème, non? Pendant que nous parlons là, il y a un juge de paix dans la commune kafou. Oui, kafou. Dans ville Jude-Édouard là, dans ville Beauville là, pendant m'a parlé là, monsieur c'est un juge de paix en bas, monsieur le Jean-France Ducasse. Jean-France Ducasse, juge de paix Kafou. Eh ben il a kidnappé monsieur à Matissa après-midi. Ouais, il a kidnappé monsieur. Donc et ça qui doit là d'après sa famille, bon, d'après ça vous t'avez signalé là. Notamment de n'importe on mis $500,000 pour libérer monsieur. Un juge de paix Kafou, pendant m'a parlé là dans mes kidnappeurs dans Matissan, ça veut dire que tendez bien et ça me d'abdou et entente qui fait entre nèg Chris là nèg grand ravine. Eh bien ça me d'abdou les nèg abdou Genève pendant kidnapping Genève pas ceci nèg yo font entente ça yo vinn faciliter kidnapping fait tout côté. Et d'ailleurs comment pour nèg Matissan ta faire kidnapper nèg Kafou comme qu'on y a Kafou avec un petit Jean mélangé.
Eh ben, pas connaît. Non, pas connaît. Parce que l'homme d'ab dénoncé bandit. Moun sa ou de nous, je vous propose que c'est moi de pavle ou yo. Eh ben, pas connaît. Mais, qui ça? Juge la genan, mais le monsieur. Aïe! Olen kidnappe un juge. Juge Ducasse dans Carrefour là. Vous avez demandé 2 millions de dollars. Nous pensons. Bon, si je regarde moi, mais vous pensez que vous avez passé dans Babdou à la Matisse pour nous prendre. Ah, monsieur. A dit, m'pa compre, et ça m'a dit, m'pa compre une forme bagay n'a fait. Bon, peut-être nous avons l'autre bagay n'a brigue la juge là, tout m'pa connaît, parce que y'a tellement dans tout sens. Y'a dans tout dossier, y'a dans tout sens. Mais si y'a pour l'argent, côté famille juge du casse, pour ajouter 2 millions de dollars pour le banon. Kounia, nous kidnappons docteur Bertoni François. Un médecin qui a nous conseil pour santé nous. Kounia a passé le bail plurimédical. Et puis, comment bail y a relé? Et bail fatal, m'a pas songé qui est. Comment le relé? Comment le relé encore? Kounia, là, nous prenons l'île là. Bon, ça le dit, nous prenons le million. Kounia, là, j'en l'argent ça. Bon, Jean pays d'Haïti là, on est qui gagne cob là-dedans. Je suis responsable complexe médical Elohim, oui. Elohim. Et yo kidnappé docteur Bertoni François après-midi. Kounia, nous prenons des millions. Nous touillons docteur Mackenzie Guerrier. Pendant le temps, il a kidnappé, il a fait résistance, nous vide bal sur lui, nous gaspillons le jeune garçon. Mais nous faisons docteur Auguste courir là, il vient cacher, Florida. Bon, mais Kounia, nous prenons en misa dans le complexe Elohim, non, Bertoni François. Bon, mais nous prenons juste du casse là, qui a passé là, nous prenons dans la route là. Eh ben, comment nous faisons pays là? Eh ben, monsieur, regardons, ti malheureux, me dit nous là, en bas, Enik. Mais ti malere ça nous prend avec Johnson de ti malere nèg la pèl ap vann sou bourèt nous kidnapel on sa n'ap fak peyi a la monsieur un problème et ça te fait si Guy Philippe veut que a font révolution comprendre Guy et nous dou give vérité a Guy même soit font révolution ou chavira Ariel là et puis pour dire que pour balade moi fanatique on va tourner sur ça demain fanatique la fin bagarre soit font révolution là tout bon ou vle chavira Ariel. Donc, préparez l'équipe, parce que vous n'avez pas de président, ou pas de candidat, ou pas capable pour l'instant. Vous comprenez ça? Donc, préparez l'équipe, et puis faire révolution. Hein? Chavirez grand monde qui n'a pas utile pays à rien, et puis prenez responsabilité. Malheureux, là, bonsoir tout le monde, remets nous en pile. N'a croisé demain si bon Dieu retient la vie. Songez que Haïti, son pays difficile et compliqué. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe de Zenith FM 102.5, et merci également à. Hein, Émancipation FM 90.7. Merci à toutes amis honnêtes, quel que soit côté où tu es connecté. Merci à toute radio qui fait relais avec nous dans le pays d'Haïti, même déjà à l'étranger.